Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir pour cette soirée dédiée à Spring. On va parler de pas mal de choses différentes. On vous a préparé pas mal de sujets liés à la conférence Spring One qui a eu lieu à Austin le mois passé, hein, au mois d'octobre. Donc, il y a eu pas mal d'annonces. On va vous faire un espèce de petit résumé condensé des choses qui nous ont particulièrement marquées. Puis, on va parler de Spring Boot, de AirSocket et de pas mal d'autres sujets. Donc d'abord, on va un peu se présenter. Moi, je m'appelle Brian Clausel. Je travaille sur Spring Framework et Spring Boot, spécialement les parties web, messaging, AirSocket. Moi, c'est Stéphane, donc je viens de Belgique et je travaille sur Spring Boot principalement, tout ce qui est back-end et tout ce qui n'inclut pas du web ou du JavaScript parce que je suis très vite perdu. Je travaille un peu aussi sur Spring Framework et je suis le lead d'un petit service que vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle start.spring.io. On en reparlera tout à l'heure. On va reparler. Ouais. Donc le fil conducteur de notre présentation, c'est de faire un recap de tout ce qui a pu se passer à Spring One Platform pendant cette conférence-là. Donc on va vous expliquer un peu le format, les sujets, ce qui nous a marqué, et puis on va détailler un peu avec des démos. Oui, il y aura des démos, hein, pour ne pas trop vous endormir. Donc le format, c'est une grosse, grosse conférence qui est à combien? 4000, 3? 3 500 officiellement. 3500? 3500 participants. Donc cette année, c'était à Austin, au Austin. Texas. Après, ça change de lieu chaque année. Donc le format, donc il y a comme dans toutes les conférences, il y a une grande keynote avec des annonces, les grandes lignes directrices de ce qui peut se passer sur les projets Spring, mais pas que, parce qu'en fait c'est Spring, plateforme et tout ce qui peut se passer autour. Et puis il y a aussi d'autres entreprises qui viennent parler de ce qu'elles font. Ouais, donc là, il y avait la personne qui est responsable de la partie framework chez Netflix qui est venue un petit peu expliquer ce qu'ils ont décidé de faire ici cette année. Il faut savoir que Netflix, depuis le début, a un framework maison avec toute une série, avait un framework maison, il faut dire, avec toute une série de composants. Puis bon, ils ont open sourcé ce qui est devenu Spring Cloud Netflix, hein, vous avez sans doute déjà entendu parler. Service Discovery avec Eureka, Config Server, donc ils ont open sourcé plein de trucs qui se sont retrouvés dans Spring Cloud in fine. Et donc cette année, donc Taylor est venu expliquer comment est-ce qu'ils ont enlevé leur framework maison pour se rebaser sur Spring Boot et les effets bénéfiques. Et notamment, il expliquait quelque chose qui me parle très très fort, que les développeurs peuvent enfin aller sur Internet pour trouver des solutions à leurs problèmes plutôt que de devoir finalement dépendre de l'équipe de Taylor. Ils sont cinq, quoi. Ils sont cinq pour tout Netflix pour gérer leur framework maison. Ça se calait vraiment pas. Donc, ils sont passés à Spring Boot cette année. Ils ont 300 applications en production. Ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, voilà, c'est une success story assez intéressante. Une autre présentation qu'on a trouvée assez sympa, Et keynote. une keynote, oui, toujours dans les keynotes, qui était impressionnante, qui Alors, faisait même il y a peur en un fait. petit jeu. Il faut bien faire la différence de regard entre le mec à droite, comment il a l'air, comment il est, et comment il est sur la photo suivante. Ouais, donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont déployé sur Cloud Foundry, ils ont toute leur fondation dessus, et ils ont un double déploiement sur deux cloud providers physiques, donc sur deux. C'était Google et Azure, si mes souvenirs sont bons, ou autre chose comme ça. Ouais, je crois. Ouais. Et en gros, en live, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'éteindre un de leurs deux cloud providers pour simuler une grosse panne, Un quoi. petit kill moins 9 directement, comme Ouais, ça. et donc le but c'était de, mais sauf qu'ils l'ont fait en prod sur le moteur de recherche. Donc la boîte c'est Dick's Sporting Goods, donc c'est l'équivalent de GoSport, Decathlon. Et donc c'était le service qui sert pour la recherche pour leur site en prod. Et ils ont éteint un de leurs deux clouds et bon c'est passé. Donc à la fin de la presse ils n'étaient pas virés, mais Ouais, c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils ne se sont pas fait licencier. C'est bien, ils avaient l'air un c'est peu la tête de, rassurés. on a toujours un boulot. Donc, le gars à gauche, c'est l'ingénieur, je pense, qui a vraiment bossé sur cet infra. Et la personne de droite est plutôt un product manager, dans mon souvenir. Ouais, je crois. Ouais. Il disait, mais t'es fou, tu ne vas pas faire ça. On va faire ça en staging pour rigoler. Et puis, il dit, non, on va le faire en prod, ça va être drôle. Et puis, bon, ils l'ont vraiment fait, quoi. C'est le côté sadique de tout le public qui était sur leur téléphone pour vérifier si ça. Est-ce que ça plante? Puis sinon, il y avait d'autres annonces. Donc, comme on vous disait, donc il y a Spring, il y a tout ce qui se passe autour au niveau plateforme, et puis il y a des, il y a,
il y a d'autres conférences, d'autres annonces keynote comme Pivotal Spring Runtime, où ça, on pourra en parler aussi. Donc, peut-être en bref, ce que c'est. Donc, c'est support d'Adopt OpenJDK, enfin, du JDK, de Tomcat et de Spring Boot. Donc, un contrat de support que vous pouvez avoir avec Pivotal si jamais vous avez besoin de support pour ces zones-là. Donc, voilà, c'était annoncé à Spring One. Une offre assez intéressante. Et donc ça, c'est les keynotes qui se passent le matin. Et puis, comme dans toutes les conférences aussi, donc il y a des breakout sessions avec différents sujets. Le format, c'est entre 30 et 30 minutes, une heure, ouais, selon les slots. Et donc, il y a plein de sujets entre Spring, plateforme, méthode de développement, UX, UI. Voilà. Et tout ça sur YouTube, on en reparlera tout à l'heure, mais toutes les sessions sont déjà sur YouTube. Et fait important, cette année, c'était la première fois qu'on faisait du swagless. Donc, les sponsors étaient fortement invités à ne pas donner de t-shirts ou de goodies, de manière générale. Et à la place, donner des petits jetons avec une valeur faciale. Et le but, c'était, donc tous les participants, une fois qu'on avait les jetons, pouvaient aller voter et mettre ces jetons dans des urnes pour différentes œuvres de charité, locales ou pas. Et à la fin de la conférence, ça fait quand même $120,000 pour... voilà, donc on préfère repartir avec moins de t-shirts à la maison, mais au final, avec l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Bon, on va un peu parler de Spring Boot 2.2. Voilà, donc un des sujets dont on a parlé. Ouais. On va peut-être poser une question avant, de savoir qui utilise Spring Boot dans la salle. Une grande majorité. C'est bien. Cool. Félicitations. Donc, dans les sujets de Spring Boot 2.2, dans ce qu'on pourrait parler, il y a le support Java déjà d'une base de départ. Donc, oui, support de Java 13, la raison pour laquelle on voulait un peu parler de ça, c'est parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle version de Java, on a systématiquement des personnes qui nous demandent est-ce que c'est supporté pour Spring Boot, machin chouette. Donc, on voulait un peu en parler brièvement pour bien conscientiser tout le monde. Donc, à chaque nouvelle version de Java depuis Java 9, il y a des modifications dans le bytecode. Donc, chaque fois, le format du bytecode potentiellement change. Et dans Java 13, ça a nécessité une mise à jour majeure d'un des composants qu'on utilise, qui s'appelle ASM. Et donc, c'est principalement la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une nouvelle version de Java, vous ne pouvez pas utiliser une version de Spring Boot existante qui est en release de maintenance et espérer que la nouvelle version de Java va fonctionner comme ça, puisque le bytecode est différent et qu'on a pas mal de choses qu'on doit faire à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, on a ajouté la compatibilité avec Spring Framework 5.2, qui est ce que Spring Boot 2.2 utilise en interne. Donc, c'est pour ça que c'est Spring Boot 2.0 qui est sorti il y a un an et demi. Vous ne pouvez pas utiliser Java 13 avec. Et on va encore continuer, malheureusement, dans cette tendance-là, puisque c'est devenu presque systématique maintenant qu'à chaque nouvelle version de Java, on a une modification du bytecode, malheureusement. Mais niveau release management, on se cale quand même sur les rythmes LTS, non LTS du JDK. Et on a toujours JDK 8 comme base. Donc, normalement, quelle que soit la solution que vous choisissiez sur je prends la LTS de Java ou la toute dernière, on s'aligne et on s'organise pour que vous puissiez tout le temps utiliser une version de Spring supportée en prod avec la version de Java que vous utilisez pour vos apps. Donc, le message, c'est ça. Donc, si vous êtes avec une version récente de Spring Boot, vous pourrez utiliser la version récente de Java. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez rester avec la version LTS, bien sûr. Donc, 8 ou 11 pour le moment. Et côté Spring Boot, on a beaucoup de personnes qui utilisent Spring Boot et même qui n'utilisent pas Spring Boot, mais qui utilisent quand même le Dependency Management de Spring Boot. Donc, à chaque version de Spring Boot, on fait un gros travail sur le Dependency Management. On est assez... pas strict, mais on fait très attention à la gestion des dépendances et des versions. On sait qu'il y a certaines librairies qui évoluent très vite, d'autres vachement moins. Et donc, on essaie d'accompagner tout le temps avec les versions de Spring Boot et toutes les librairies et tous les projets de Spring, d'avoir les versions qui se calent au mieux. Et Spring Boot 2.2, c'est l'occasion d'upgrader. Donc, il y a certaines choses, c'est juste des mineurs ou des patchs. Et puis d'autres, comme Elasticsearch, c'est... ou Flyway. C'est plein de versions d'un coup. Ouais. Donc voilà, ça dépend des cycles de vie de chaque projet, mais ça va avec. Mais donc là, on a fait Flyway, Elasticsearch. Pour Flyway 6, ouais, Elasticsearch 6.7. Ouais. Voilà. Et dans les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on a fait? Des choses très importantes. Dans les fonctionnalités, si, on a fait pas mal de choses. Donc après, on ne va pas vous faire toute la liste.
Moi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est que souvent quand on fait des jogs, on avait beaucoup de gens qui venaient nous parler du support Elasticsearch dans Spring Data. Et là, l'équipe Spring Data a fait un gros effort. Avant, c'était maintenu par la communauté, et là, ils ont fait un gros effort là-dessus. Et donc là, on est bien plus à jour sur les versions. Le client natif, enfin le transport natif est déprécié. Il y a des vraies alternatives pour utiliser Spring Data, mais sur base de clients HTTP, donc réactifs et non réactifs. Oui, parce qu'il y a le support de réactif, non de du coup. Voilà. Ouais. Donc il y a eu un gros gros rattrapage. Donc moi, ça me fait plaisir parce que j'utilise aussi pas mal. C'était une fonctionnalité que j'ai bien aimée. On n'est pas encore sur Elasticsearch 7, lundi. Hein. Ils auront peut-être sorti un 8 d'ici qu'on puisse. Non, ça va vite. Ouais. Et il y a les fonctionnalités les plus importantes. Les plus importantes, comme chaque année, on ne peut pas s'en passer. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose au sujet de la bannière. La surenchère de la bannière à chaque fois. Donc, sans déconner, il y a le support de 256 couleurs ANSI maintenant, parce que c'est très important. Il y a un projet qui est, je pense, c'était. C'est quel projet encore? C'est Zipkin, je pense. Bon, bref, le niveau d'orange ne lui plaisait pas. Il voulait un niveau d'orange plus fin. Donc, ils ont soumis un pull request pour avoir plus de couleurs. Évidemment, on s'est empressé d'accepter cette pull request magnifique. Et donc, voilà. Donc, on est condamné maintenant à chaque release à faire des trucs avec nos bannières. Voilà, c'est dit. Mais il y a une fonctionnalité autrement plus importante si vous utilisez si vous créez des configuration properties dans vos applications. C'est le côté immutable. Oui, donc petite question avant. Qui utilise Configuration Properties voit plus ou moins ce que c'est? Ouais, ok. Donc c'est à peu près la moitié de ceux qui utilisent Spring Boot. Donc du coup, on va faire une petite démo parce que c'est une fonctionnalité qui a été beaucoup demandée. Donc, peut-être montrer avec le code, mais en gros, Configuration Properties, c'est un mécanisme qui vous permet de construire un objet du domaine pour votre config. Donc vos clés de propriété ou n'importe quoi que vous devez utiliser pour pouvoir customiser une logique. Et Spring Boot va s'occuper en fait en fonction des variables qui sont dans l'environnement, des valeurs que vous spécifiez en configuration. Finalement, on va s'occuper de créer cet objet et de l'instancier pour vous. Et jusqu'à présent, on n'avait que le support avec des Java Mint Properties et le support immutable, c'est-à-dire le fait que vous créez un constructeur et puis les valeurs sont passées en une fois et vous pouvez rendre l'objet read-only. Ça, c'était vraiment une demande très très forte, et notamment ta communauté Kotlin, et on va voir pourquoi est-ce que c'est important. On va voir ça. Ah oui, donc on a pour référence donc dans les slides qu'on partagera, je suppose, il y a la version slide de ce qu'on va vous montrer. Alors, un petit projet de démo ici. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas neuf, non, car donc c'est fonctionnalité qui existe depuis très très longtemps dans Spring Boot. On voit ici différentes choses. Bon, évidemment, le modèle de. Merci, Brian. Les propriétés qui sont là, on s'en fout un peu. Hein. C'est juste pour de la démo. Ça ne représente pas quelque chose de particulier. Mais imaginez que vous devriez, par exemple, avoir une notion de timeout pour rendre je sais pas moi, par exemple, un client HTTP que vous utilisez pour contacter un service, ou bien vous voulez bufferiser quelque chose. Cacher un certain nombre de données avant de flusher ou quoi que ce soit. Et puis, vous avez des notions de sécurité ici dans une sous-classe avec différentes valeurs. Donc, en gros, une fois qu'on a cette mécanique-là, on peut, au sein de votre fichier de configuration, tout comme vous pouvez le faire dans Spring Boot, vous avez de l'autocomplétion dans l'IDE. Donc, il y a vraiment cette fonctionnalité très, très riche. Vous pouvez documenter les clés, documenter les valeurs par défaut. Vous avez vu qu'il y avait un timeout de 10 secondes dans le code, je vais peut-être le remontrer parce que j'ai peut-être été un peu vite, qui est ici, hein, qui est automatiquement interprété et qui va vous donner donc le bon niveau de documentation. Donc ça, c'est très très facile à faire. C'est une fonctionnalité qu'on utilise vraiment beaucoup dans Spring Boot pour vous permettre de configurer la manière dont Spring Boot fonctionne. Si vous avez besoin du même niveau de configurabilité, et j'imagine qu'il y a tout un cas d'utilisation où c'est nécessaire. Donc, cette infrastructure-là vous permet de faire ça. Alors, on va brièvement. Donc, la démo, on la partagera avec vous. Hein, pas de panique si jamais vous voulez un peu rejouer avec. On va passer en immutable. Et donc, en immutable, qu'est-ce que ça change? Donc, en immutable, au lieu de passer, avoir les différents champs et puis de les initialiser et puis d'avoir des getters et des setters, on a simplement un constructeur. Alors, le problème ici, c'est, si vous vous souvenez, il y avait des valeurs par défaut.
des valeurs par défaut qu'on a perdues. Et donc, si on va un petit peu regarder ici dans notre fichier, s'il veut bien me le régénérer. Allez. Pourquoi tant de haine? Au final, c'est exactement le. En fait, quand on utilise ce mécanisme-là, vous utilisez exactement le même mécanisme qu'on utilise en Spring Boot en interne. Et donc, on génère exactement les mêmes métadonnées qui existent pour le modèle de Spring Boot. Donc, on vous permet d'utiliser la même infra que la nôtre pour avoir l'autocomplétion, la conversion, le binding, etc. Donc, on voit ici que les valeurs par défaut ont disparu. On a perdu cette valeur-là. Et d'ailleurs, si jamais on crée l'objet, d'ailleurs, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, mais ici, j'ai une petite app un peu bête qui va juste vous donner les valeurs. Si on lance ça, ben on va perdre effectivement la valeur par défaut qu'on avait définie auparavant. On voit ici que les valeurs sont nulles. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu un mécanisme où il était possible de donner les valeurs par défaut de cette manière-là. D'accord ? Donc, on permet d'indiquer ces métadonnées. Ces métadonnées sont automatiquement aussi gérées par l'outil qui écrit la documentation. Et donc, on se retrouve avec notre valeur par défaut ici, comme avant. Alors, un autre truc aussi qu'on a fait dans Spring Boot 2.2, si vous l'utilisez, vous savez que la manière d'enregistrer tout ça, c'est via un enregistrement explicite avec le nom de la classe. Ce qu'on a implémenté, c'est qu'on a implémenté un mécanisme de scanning optionnel. Si vous avez plusieurs fichiers comme ça, donc vous spécifiez simplement le scanning pour votre application et il suffit de définir l'objet et il sera scanné automatiquement. Alors, j'ai oublié aussi de mentionner ici cette constructeur binding qui est en fait le signal qui dit que vous voulez utiliser le constructeur pour récupérer les valeurs de l'environnement. Alors, dernière chose qu'on voudrait bien vous montrer, c'est le support dans Kotlin. Hein, on a vraiment essayé d'avoir une expérience first class avec Kotlin et de vous fournir les outils si vous utilisez Kotlin. Qui utilise Kotlin d'ailleurs ici? Une personne à gauche, je suis assis, donc je ne vois pas ceux du fond. Pas de grosse communauté. J'ai deux personnes. Okay. Ouais. Bah, finalement, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour le côté immutable, parce que c'est une façon de coder, une façon de voir les choses. Et on avait la communauté Kotlin qui poussait pas mal, parce que c'est vraiment idiomatique en Kotlin d'utiliser des data class. Et quand on voit là, finalement la syntaxe dans les data class de Kotlin, bah, c'est assez clair, c'est concis. Et ça exprime vraiment ce qu'on veut, y compris l'annulabilité, parce qu'en Kotlin, l'annulabilité, elle est dans le langage, oui. Elle est prise en compte au niveau du typage, système du typage. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que donc, Kotlin a un système pour permettre d'initialiser le champ. C'est assez élégant. Hein. Et donc ça aussi, c'est pris automatiquement en compte. Donc on voit que les valeurs par défaut qui ont été spécifiées de cette manière-là sont prises automatiquement en compte. On voit ici, hein, donc on a bien la liste des rôles et le username par défaut. Et donc, ce point d'interrogation, Brian mentionnait l'annulabilité. Donc, en Kotlin, c'est un moyen pour vous de déterminer que cette variable peut être nulle. D'accord ? Donc, si vous spécifiez le type comme étant nullable, donc il y a la possibilité de spécifier une valeur nulle. On voit d'ailleurs que c'est le cas ici, hein, puisque je n'ai pas de buffer size qui est spécifié. Si je change simplement le type, toute l'infrastructure va prendre ça en compte et va être capable de voir qu'il y a effectivement un problème ici, puisqu'on essaie de créer un constructeur avec un type qui ne peut pas être nul, et en l'occurrence, il l'est. Et donc, vous allez récupérer cette petite erreur au démarrage qui vous dit exactement ce qui se passe, qui vous donne avec précision quel est le problème et ce que vous devez faire pour régler le problème. Donc ici, soit on donne une valeur par défaut, soit on le remet nullable. Donc, on vous encourage, si vous ne l'utilisez pas, vous voyez, vous pouvez utiliser des types riches, duration, data size et tout ça. C'est quand même c'est super descriptif. Vous pouvez documenter avec de la JavaDoc. Si vous créez une librairie qui est partagée entre vous et vos collègues, typiquement, vous pouvez faire un starter dans votre entreprise et fournir des autoconfigurations, les properties qui vont avec pour activer, désactiver, changer des credentials, je ne sais quoi. Et donc typiquement, passer par cette infra-là, ça rend les choses beaucoup plus testables. Ça évite d'injecter des add-value un peu de partout, ce qui peut être super fragile, voire ne pas marcher en fait. Oui, puisque là, finalement, vous avez un objet, quoi. Un objet avec une structure, et puis le fait que c'est bindé depuis l'environnement, ça détaille une implémentation.
pour les personnes qui consomment cet objet. Donc, c'est juste une structure avec des valeurs de config et voilà. Donc, ça, c'est assez sympa et effectivement testable. Un autre truc aussi, un autre use case, c'est si vous avez des conventions dans votre entreprise. Par exemple, des fichiers avec des noms par défaut, ou bien quand un fichier est placé à un certain endroit, il doit se passer un truc, et que vous configurez ça manuellement, ben Spring Boot, ça peut être vraiment une bonne approche, puisque vous pouvez créer une autoconfiguration pour ça qui détecte que le fichier est présent et automatiquement applique un comportement par défaut. Et ces clés de propriété peuvent être utilisées justement pour configurer ce comportement par défaut, si jamais ce n'est pas exactement ce que vous voulez, vous voudriez bien que ce soit ça plus un autre petit truc. Il suffit de le coder et de la même manière que nous on le fait finalement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les configuration properties pour Spring Boot 2.2. Donc vous pouvez retrouver la démo ici sur ce projet-là. Donc il y a toutes les étapes. Et on enverra un tweet à la fin de la session avec les liens. Donc si vous l'avez manqué, regardez sur Twitter, ça y sera. Pour la suite, donc toujours dans les features de Spring Boot 2.2. On a revu les health indicators. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de plus de flexibilité. Donc, on peut définir. Donc, les health indicators, c'est ce qui permet à votre application d'exprimer l'état du service. Donc, est-ce que la base de données, le file system ou n'importe quoi, exprimer si c'est out of service, si ça marche, ça ne marche pas. Et donc, ça permet de déterminer l'état de votre application actuelle. Donc, vous pouvez. Vous avez par défaut, selon ce que vous avez dans le ClassPass, vous avez par défaut tout un tas d'indicateurs qui sont créés automatiquement par Spring Boot. Mais vous pouvez aussi créer vos propres indicateurs en fonction de, je ne sais pas, est-ce que tel service est dispo ou est-ce qu'il y a une telle connexion. Une interface toute simple à implémenter, on vous appelle et puis vous faites votre check. Vous avez la possibilité d'ajouter des informations de détail, donner des versions par exemple, ce genre de choses, peu importe ce qui est utile pour vous. Puis derrière, vous pouvez plugger cet HTTP, donc vous pouvez mettre n'importe quel système de monitoring derrière qui va potentiellement killer votre container si jamais il n'est pas dans le bon état. Et jusqu'à présent, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un seul endpoint avec l'ensemble des indicateurs sans vraiment une manière de les différencier. Ce qu'il y a dans Kubernetes, c'est qu'il y a vraiment deux, notamment dans Kubernetes, mais aussi dans d'autres environnements, il y a deux types d'indicateurs. Ce serait sympa d'avoir la possibilité justement de pouvoir grouper des indicateurs d'un certain type avec un certain nom, et c'est exactement ça qu'on a implémenté. Donc, la config en haut, en fait, liveliness et readiness, on a réutilisé la nomenclature Kubernetes, mais en fait, c'est juste des noms, on peut les appeler comme vous voulez. Vous avez en config, vous avez la possibilité donc, de soit d'inclure, d'exclure ou les deux. Et donc, automatiquement, il y a des sous-endpoints qui sont exposés avec le nom du groupe. Et lorsque vous invoquez ces différents endpoints, ils ne vont qu'invoquer un subset, un sous-ensemble des indicateurs tels que définis. Donc ici, en l'occurrence, si vous invoquez le premier lien, ça va uniquement faire un simple ping, donc ça va juste vérifier que l'application répond. Dans le second cas, ça va vérifier que la base de données est up et que votre serveur Redis répond avec succès aussi. Autre support, depuis Spring Boot 2.2, maintenant, on a vraiment accueilli JUnit 5 et on le permet comme utilisation par défaut assez facilement dans Spring Boot. Donc, on a le support complet et vous pouvez toujours utiliser JUnit 4 ou JUnit 5, même en parallèle. Vous devez faire quelque chose si vous voulez utiliser seulement JUnit 5. Vous devez, dans vos dépendances, vous devez ignorer le vintage engine de JUnit. Donc, du coup, on voudrait bien savoir qui est-ce qui utilise JUnit 5 déjà. Okay. JUnit 4. 4. Massivement. Ah. Qui n'écrit pas de test? C'est bien. TestNG, sans déconner. J'ai 2-3. Il y a 2-3 TestNG. Framework de test maison. Ah, il y a quand même quelqu'un qui ose, c'est bien, félicitations. Pour ceux qui ne savent pas, dans JUnit 5, il y a cette notion d'engine, comme Brian expliquait, qui en fait est c'est une implémentation, une interface que vous devez implémenter et qui en gros détermine comment vos tests tournent. Et donc l'implémentation par défaut regarde les annotations de JUnit 5, voici c'est annoté avec test et puis ça lance vos tests.
pour permettre. Ils ont fait un truc un peu alambiqué, mais quand même sympa malgré tout. Et donc, ils ont implémenté ce qu'ils appellent le Vintage Engine. Donc, c'est une implémentation de l'engine JUnit 5 qui détecte les annotations de JUnit 4. Donc, ça vous permet, avec JUnit 5, de toujours détecter vos tests en JUnit 4. Et ce qui est assez sympa, c'est que vous, au sein d'un même module, si vous avez les deux, vous avez les deux moteurs, donc le moteur normal standard, on va dire, et le moteur vintage. Au sein du même module, vous pouvez exécuter des tests JUnit 4 et JUnit 5. Donc ça vous permet finalement de migrer votre suite de tests à JUnit 5, mais pas en situation de Big Bang, en faisant ça graduellement. Et donc, c'est ce que Spring Boot 2.2 va vous offrir par défaut. Vous allez avoir les deux moteurs, de manière à ce que quand vous upgradez, forcément, vous serez probablement sur JUnit 4 puisque c'est ce que Spring Boot 2.1 utilise. Donc, on ne veut pas évidemment casser tout et que vous, en upgradant en 2.2, vous soyez obligé de réécrire vos tests. Évidemment, ce n'est pas cool. Donc, ça va continuer à fonctionner comme avant. Par contre, vous aurez dans le ClassPass les annotations JUnit 5 que vous pouvez utiliser ou pas. Et puis, une fois que vous avez fait la migration, bah, vous retirez simplement le Vintage Engine et puis vous êtes uniquement avec JUnit 5. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans JUnit 5, c'est le setup et la plomberie a été bien, bien allégée. Donc, rien qu'au niveau syntaxe, c'est plus obligé d'être, les méthodes sont plus obligées d'être publiques. Au lieu de tout mettre dans des attributs de classe, d'avoir des abstracts de partout ou d'avoir de l'héritage, on peut faire de l'injection au niveau de la méthode de test. Donc, ça sépare bien la plomberie de ce qu'on est en train de tester. Donc, il y a des annotations qui sont fournies par JUnit comme TemDir pour se faire injecter un folder temporaire, qui va être effacé à la fin du test. Ouais. Et puis, on fournit même des petites extensions aussi dans Spring Boot pour typiquement tester l'output capture, par exemple, pour la console. Ouais. Si vous faites une application command line qui est censée cracher quelque chose dans la console, on fournit une extension qui permet de tester ce qui est sorti dans la console. Et puis alors il y a l'extend with là, qui est mis en commentaire parce qu'on voulait en parler aussi un peu. Donc si vous utilisez JUnit 4 avec Spring, vous savez que vous devez ajouter une annotation run with de JUnit qui en fait spécifie un runner spécifique qui va démarrer votre contexte Spring, etc. Dans le cas de JUnit 5, en fait toutes les annotations qui nécessitent ça, donc un runner particulier, on appelle ça une extension dans JUnit 5. Les annotations sont déjà présentes là où il faut, donc Spring Boot Test est ce qu'on appelle méta-annoté avec cette extension, ce qui fait qu'en simplement en ajoutant Spring Boot Test, ça va détecter la bonne extension à exécuter et ça va lancer vos tests exactement comme vous attendez. Donc il n'y a plus cette deuxième annotation à spécifier, c'est inféré automatiquement par Spring Boot du coup. Ah, c'est le moment de l'update sur start.spring.io. Ok. Donc, avant de commencer, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'utilisent pas Spring ici, qui connaît start.spring.io, l'a utilisé ou sait ce que c'est? Ok, c'est plus ou moins le bon ratio. Donc, start.spring.io, donc, c'est un service qui vous permet de démarrer avec Spring très facilement. Donc, l'idée, c'est principalement un service web, mais pas uniquement, où vous allez spécifier les coordonnées de votre projet, les dépendances. Donc finalement, c'est un peu votre shopping cart, mais à la place d'acheter des CD ou je ne sais quoi, vous allez sélectionner des dépendances. Et puis, ça va vous donner un projet Gradle ou Maven en fonction de votre choix. Et puis, vous commencez à coder, quoi, en gros. Et quand je dis que c'est un service, mais pas uniquement, c'est que derrière, il y a un back-end avec une API qui est implémenté par tous les éditeurs Java, je ne vais pas dire tous les éditeurs, parce qu'il y a peut-être des éditeurs en Java qui n'utilisent pas, mais donc en gros, il y a plus connu. Support pour IntelliJ, Eclipse, NetBeans et VS Code. Donc si vous utilisez Max ou Sublime Text, désolé, il n'y a pas encore de support pour ça. Mais Curl, ça marche. Ah oui, ça marche avec Curl, mais ce n'est pas une idée de Curl. Il y a aussi le support en ligne de commande, avec Curl et HTTP Py, effectivement. Spring CLI, il y a aussi toute une série d'outils en ligne de commande custom qui ont été implémentés et qui utilisent ce truc. Donc ça, voilà, c'est assez complet. C'est pas que pour les dépendances, il y a quand même, on essaie de mettre toutes les opinions d'équipe Spring Boot sur comment avoir, quel est le genre de bon build à avoir, les meilleures pratiques. C'est quelque chose qui bouge assez souvent, hein, parce que finalement, en permanence, ouais. La tête que le build Gradle ou Maven peut avoir en sortie, c'est quelque chose qu'on est en permanence en train de raffiner en fonction des versions de Gradle, des améliorations des différents plugins, des meilleures pratiques, des retours qu'on a de la communauté, tout simplement. Et donc, il y a support pour Java, Kotlin et Groovy. Donc, Brian parlait des best practices. On va aussi vous donner une version de Kotlin qui correspond à la génération de Spring Boot que vous allez choisir.
Par exemple, si vous générez un nouveau projet avec Spring Boot 2.2, on va automatiquement exclure le Vintage Engine pour vous. Donc, on va vous dire bah, démarrer avec Genit 5, c'est ce qu'on vous recommande de faire. Donc, l'exclusion dont on parlait tout à l'heure est faite automatiquement pour vous. Et puis, si ça ne vous plaît pas, que vous voulez continuer à utiliser Genit 4, vous l'enlevez et puis voilà. Donc, ici, ce qu'on voulait faire, c'est un peu parler de statistiques, puisque donc, on a parlé du service web, on a parlé des IDE et des outils en ligne de commande. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on enregistre un snapshot de vos choix. Donc, si vous allez sur le site, que vous choisissez Gradle plutôt que Maven, puis vous allez choisir Web et DevTools, par exemple, ben, on va enregistrer un snapshot avec ces choix-là. Et ça nous donne des statistiques sur l'utilisation de l'écosystème Spring. Alors, c'est très incomplet, hein. C'est comme les chiffres de téléchargement sur Maven Central. C'est juste une idée de ce qui peut se passer. Donc, nous, ça nous permet d'avoir un point de données supplémentaire pour avoir une idée de ce qui se passe. Sachant qu'on n'est pas dupes, on connaît très bien tous les cas d'utilisation qu'il peut y avoir. On sait que beaucoup de gens démarrent un projet comme ça. On sait que c'est utilisé massivement par des billets de blog ou des cours en ligne pour le côté tutoriel. On sait qu'en interne, dans énormément d'entreprises, c'est utilisé comme point de départ pour créer un repro en cas de bug. Donc, il y a un bug, on essaie de repartir de zéro et puis de redéclencher le bug. Donc, on sait qu'il y a tout un tas de cas d'utilisation. On sait que bah, voilà, ce n'est pas représentatif de tous ces cas, mais les stats nous intéressent parce que ça nous permet de réfléchir à comment on peut améliorer les choses dans l'écosystème. Donc du coup, pour essayer de vous réveiller un peu avant la pause, on a préparé quelques questions pour vous. Alors, combien de projets sont générés par an, à votre avis, entre 10 000, 100 000, 1 million ? Alors, on va commencer avec 10 000. Qui pense 10 000 ? Donc, c'est tout système confondu, IDE, navigateur, ligne de commande. Par an ? Par an, 10 000 par an. Les tests ? Les tests de quoi ? Ah non, on teste. Il n'y a pas de test de prod. On a un staging, mais on teste pas sur notre prod. C'est une bonne question, parce qu'on a eu, ouais. On a eu le coup une fois, puisqu'on monitor quand même, hein, donc on avait détecté quelqu'un qui avait plugué sa suite de tests d'intégration, qui avait généré 36 000 projets en 2 heures. Ouais. Donc, avec une IP Livebox, je ne sais plus où, en France. C'était à Rennes, oui. On a débarqué vite fait sur son GitHub en lui disant peut-être pas. Donc voilà. Donc on fait attention à ce genre de choses. Donc 10 000. Par an. Personne ? Moins de 10 000. Toujours personne. OK. 100 000. 100 000 par an, j'ai 5 %. OK. Donc, on va dire que tout le monde pense un million ou s'en fout. Donc, qui pense un million pour voir si vous savez lever la main ou pas ? OK, cool. Bien joué. Donc, la réponse est 1 million, sauf que c'est 1 million par mois. Ça fait beaucoup. Alors après, on est pas mal dans notre petite bulle, hein. Il y a beaucoup de pays sur la planète et il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup plus de gens que chez nous, quoi. Voilà. Et donc justement, on va parler de ça à la prochaine question. Ne passe pas parce que sinon ça donne la réponse. Pardon. Donc on va un peu parler géographie et donc l'utilisation du service. Donc on voudrait savoir si vous pouvez deviner les 3 pays. Ah, tu l'as dit. T'avais dit de ne pas passer. Donc, OK, vous savez que le 3e, c'est l'Inde, hein, puisque ceux qui l'ont vu, voilà. Donc, il vous en reste 2 à trouver. Et puis après, on parlera un peu de la France, sinon, ce n'est pas drôle. Donc, pour le 2e, si vous avez une idée du nom du pays, vous pouvez simplement le dire et puis on va voir. Chine, Amérique, États-Unis. OK, c'est bien. Entre États-Unis et Amérique, c'est États-Unis. Et premier, c'est quoi ? La Chine. Alors bon, la France, à votre avis ? La place. Place de la France. 17. 10e. 18. J'ai entendu 8 et 9e. Il y a des optimistes. 9e. Et j'ai entendu 8e par là. Autre chose ? 30e. À 30. Il y a le pessimiste là à droite. 16e. Donc la réponse est 7. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Il ne tient qu'à vous de remonter dans le classement. Pas avec des outils automatiques, parce que sinon, on va vous flaguer. Hein. Sinon, on dégage. Hein. Alors, on continue encore un peu avec les questions. Donc, on voudrait bien un peu parler maintenant distribution de clients. Donc, en gros, en termes de pourcentage, qui va aller sur start.spring.io pour générer un projet ?
qui va utiliser un outil en ligne de commande. Encore une fois, c'est tous les outils confondus. HTTPI, curl. On a aussi un outil avec, on a un truc qui s'appelle le Spring CLI, qui est un outil à ligne de commande dédié à Spring Boot pour lequel il y a une commande que vous pouvez utiliser. Ça, c'est pour le mieux. Et puis les IDE, de nouveau, c'est les quatre IDE qu'on supporte, NetBeans, STS, IntelliJ et Eclipse. Alors, qui pense que c'est l'interface web qui est la majoritaire, ou la première, puisqu'il y en a trois? Interface web. J'ai 10% pour l'interface web. Qui pense que c'est, peut-être un peu plus. Ligne de commande. Un peu plus que les IDE. Moi, j'aurais dit un peu moins. Mais hein? Qui pense IDE? Majorité. Qui n'en a rien à cirer? Qui en a marre de voter. Ok. Bon, allez, on va un peu regarder ça. Voilà. Donc ça, c'est les résultats. Les résultats, c'est 75% pour l'IDE. Et alors, il y a un fait, donc c'est pour un an. Donc, la tendance est relativement stable. Même dans les années précédentes, ça se situe plus ou moins dans ces chiffres-là. Mais le truc qui est assez intéressant, c'est que si on enlève le premier pays, donc si on enlève la Chine, qui est un utilisateur massif du service, alors ça change vraiment radicalement. Voilà. Donc, visiblement, les Chinois aiment beaucoup leur IDE. Ça reste quand même, du coup, le web qui est le premier de 1%. Parce que le site web est bloqué. Non, mais ça me rappelle une histoire où, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, ah oui. on avait changé quelque chose sur StartSpring.io et dans le système de collecte de données. On avait changé tout le back-end, en fait. On avait changé énormément de choses, on avait réécrit. Et on déploie le truc, et quelques jours après, c'est le trou noir absolu dans les stats. On se rend compte qu'il y a peut-être une bonne moitié de trafic qui manque, quoi. Et donc, on cherche les logs, on regarde toutes les métriques de monitoring. On regarde, non, toutes les métriques sont collectées, tout va bien. On relance, je me souviens qu'on avait, en staging, on avait fait un espèce de load pour voir si par hasard, s'il y avait trop de charges, ça commençait à planter. On a tout cherché. On ne comprenait pas. Ah ouais. Et pour la petite histoire, c'était quoi? Le premier réflexe, après, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe pour que notre système, pour que la moitié de nos utilisateurs disparaissent du jour au lendemain? Et là, on s'est dit, la moitié de nos utilisateurs, c'est la Chine. Donc, on s'est dit, tout de suite, c'est le grand firewall qui nous a blacklisté. Donc, on a essayé de regarder, est-ce qu'on a été blacklisté? On a testé plusieurs manières, c'était pas ça. Et finalement, c'est en ayant une conversation avec ma femme qui m'a dit, mais ils sont pas en vacances, là, cette semaine? C'était la Golden Week. C'était la Golden Week en Chine, et donc, c'est tombé pile poil. On a perdu une bonne matinée à se demander ce qui se passait, quoi. Mais on regarde les courbes, ça fait peur, hein. Donc voilà, on se fera pas avoir l'année prochaine. Fin de la mise à jour sur start.spring.io. Maintenant, on est dans les temps, c'est bon? Je pense, ouais. Oui. Ouais. On va vous parler des améliorations de performance aussi qu'on a faites dernièrement dans tout l'écosystème Spring. Donc, on vous parlera spécialement de Spring Boot et de Framework parce qu'on travaille sur ces projets-là, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Donc, on a fait pas mal de choses au niveau temps de démarrage. Donc, autant au niveau framework que boot, on a amélioré donc, le temps de démarrage en évitant de faire un paquet de choses dans Spring Boot, donc, typiquement dans les actuators, d'éviter de configurer des choses qui, au final, ne seront pas exposées. Désactiver JMX par défaut. Désactiver JMX qui n'était pas tellement utilisé et, au final, mangeait quand même pas mal de temps. On a aussi trouvé un truc dans Tomcat qui lisait des fichiers, puis construisait un registre IMBin et que ça prenait 2 mégas de heap ou un truc comme ça, qu'on a réussi à désactiver. Parce que donc, c'est trouver l'équilibre entre et fournir une opinion par défaut, mais pas enlever trop de choses, et puis finalement, à l'utilisation, on se rend compte que les gens n'utilisent pas trop telle feature, donc on peut se permettre de la désactiver par défaut. C'est toujours trouver l'équilibre. Après, au niveau core framework, on a fait pas mal de choses aussi sur les classes de configuration. Ouais. Donc là, on a ajouté une option avoir une option pour ne pas créer un proxy pour les classes de config, parce qu'en fait, 99% du temps, on n'en a pas besoin. Et donc ça a amélioré grandement le temps CPU et au niveau mémoire aussi, l'utilisation mémoire de lire ces fichiers de config. Voilà, donc beaucoup de choses en interne, mais bon, c'est quelque chose qu'on surveille en permanence. Il y a même Dave Sayer qui a un projet sur GitHub qui traque l'évolution des temps de démarrage selon les projets, en fonction de, etc. Ouais, donc on a pas mal de trucs automatisés. Il y avait aussi une session à Spring One, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails sur ce qu'on a fait, où tout ça est expliqué avec des exemples. Ouais. Et quelque chose qui est connexe, c'est le
C'est ça. Ouais. C'est le lazy init. Donc, on est conscient que ce n'est pas toujours le meilleur choix à faire. Tout dépend de ce que vous faites. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne l'a pas activé par défaut. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'au démarrage de l'application, au lieu de valider l'entièreté de l'application et de sa configuration, on le fait à la première requête. Quoi. Donc, à la première requête, si jamais quelque chose n'a pas été créé et nécessaire, on le crée à ce moment-là. Donc, ça vous donne un temps de démarrage largement plus rapide et donc avoir une pénalité pour la première requête HTTP. Donc, typiquement, c'est quelque chose qu'on avait depuis très longtemps dans Spring, en fait. C'est le fait de pouvoir d'avoir un composant qui est défini de manière lazy. Donc, on attend qu'il soit appelé pour de vrai pour l'instancier tout le graphe. Finalement, même à la première requête, si certains composants ne sont pas appelés, ils ne vont pas être instanciés sur cette requête-là. En prod, ça peut être un peu dangereux parce qu'on peut se rendre compte qu'une fois en prod, qu'il y a un truc qui est cassé. Par contre, typiquement, pour les tests d'intégration, c'est quand même assez utile où on n'a pas forcément... Donc déjà, dans Spring Boot, on a ce qu'on appelle le slicing pour les tests où on isole le contexte de l'application pour tester qu'une partie du contexte. Donc si le Spring Boot test, ou si vous utilisez avec un vrai port, un vrai serveur, on crée tout. Mais si vous faites, par exemple, des data JPA tests ou des JSON tests, on va configurer le contexte pour utiliser que les composants qui sont nécessaires. Donc, typiquement, le slicing, c'est quelque chose qui permet de grandement accélérer votre suite de tests. Mais le lazy init, pour les tests d'intégration un peu plus complets, ça permet de réduire le temps de tests d'intégration plutôt solidement. Il y a aussi des trucs que tu parles de JPA. On a aussi une option pour initialiser de manière déférée un burnet, donc pour l'initialiser dans un thread séparé, en fait, pour optimiser. Ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on s'est rendu compte que Burnet avait son propre mécanisme de scanning, mais nous, on scanne déjà les entités pour construire la persistance unit pour vous dans le cas autoconfiguré. Donc là, on a détecté ça et on a désactivé le scanning pour qu'il n'y ait pas un double scanning dans ce cas-là. Donc, c'est des petites optimisations comme ça. On a passé quand même pas mal de temps à regarder un peu à gauche et à droite et voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Donc, tout dépend de l'app, mais on vous encourage vraiment à upgrader parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, vous verrez forcément des améliorations. Oui, donc il y a une amélioration nette en upgradant un Spring Boot 2.2 sans aucun changement de votre part. Vous aurez un effet visible sur votre application. Côté runtime, on a aussi pas mal bossé. Et donc typiquement, on a beaucoup regardé sur Webflux et sur Spring MVC. Donc on a une suite de tests, une suite de benchmarks en interne, donc qui sont hyper artificiels. Donc on communique pas forcément dessus parce que on teste les différents cas d'utilisation des frameworks web Spring. Donc ça se compare pas vraiment. On peut pas vraiment comparer ça à d'autres frameworks de manière juste. On communique pas forcément dessus. Mais c'est quelque chose qu'on fait tourner super souvent. Dans un environnement réaliste, donc sur plusieurs hosts, dans le cloud, avec quelque chose d'assez réaliste, avec des latences assez réalistes. Et on fait du load testing en faisant varier le nombre de requêtes, la concurrence, etc. Et donc, on a trouvé pas mal de choses à améliorer. Donc, typiquement, dans Webflux et dans Reactor Native, on a trouvé pas mal de choses sur la stack web. Les chiffres, si je ne me trompe pas, il y avait un truc qui était doublé, mais je ne sais plus lequel c'est. Je sais que pour la latence, typiquement, en Webflux, il me semble, le percentile qui était à 75, on l'a passé à 95. Donc, on a, en termes de latence, on a beaucoup aplati la courbe et on a des latences beaucoup plus faibles, même à des concurrences assez élevées. Sur le parsing de requêtes, autant côté Webflux que MVC. Donc, côté MVC, selon les cas d'utilisation, on a entre le throughput pur et la latence, on a des améliorations entre 20 et 40% sur des cas qui, encore une fois, restent simples et bien, qui mettent en route le framework, donc pas forcément votre code d'application. Donc, vous verrez certainement pas 20 à 40%, mais sachez que nous, notre but avec ces tests-là, c'est de minimiser au max l'overhead que Framework peut avoir sur vos applications. Donc voilà, toujours garder le même niveau de fonctionnalité, mais minimiser la création de garbage, optimiser les échanges réseau, etc., le parsing de requêtes. Donc on a fait pas mal de travail et on continue encore. Ça, pour l'instant, on a encore pas mal de choses à explorer. Mais sachez que voilà, c'est toujours un sujet qui est en cours, en permanence. On s'outille comme tout le monde, encore plus, et on avance.
Alors, on a aussi un sujet GraalVM. Donc, on avait parlé de cet aspect dans les cases de configuration de ne pas nécessiter un proxy. C'est une initiative directement liée à ça, hein, donc de diminuer au maximum les cas potentiels où ça peut coincer avec GraalVM. On a également un projet qui a été démarré cette année pour supporter nativement, si j'ose dire, des applications Spring comme Image Graal. Donc, on a pas mal d'initiatives. Il y a notamment une présentation ici au DevOx en Belgique la semaine passée là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, il y a pas mal de... Ben voilà, c'est Sébastien qui est présent, donc il y a pas mal d'infos. Et donc, l'idée, c'est que donc, ça, c'est un effort qui dure depuis un certain temps déjà, avec une très bonne collaboration avec l'équipe GraalVM chez Oracle, et avec un objectif ambitieux pour nous, puisque Spring Framework 5.3, donc la prochaine version l'année prochaine, avec un support de GraalVM annoncé. Donc, le but, ce n'est pas que certaines applications. Donc, le but, c'est vraiment d'adresser le cas générique, général. Et puis, de toute façon, pour l'équipe GraalVM, y a un tel déploiement de Spring que c'est dans l'intérêt des deux équipes d'avoir quelque chose qui tourne bien sur les applications Spring. Donc, je vous encourage à voir cette présentation parce que là, on n'a pas pu s'étendre sur le sujet. Ouais. Sébastien, il explique vraiment donc GraalVM, les différents cas d'utilisation. Il n'y a pas que Native Images. Donc, il y a le GraalVM Compiler que d'ailleurs, on teste dans notre suite de tests benchmark. Bon, en fait, c'est un compiler que vous pouvez brancher à un OpenJDK et qui remplace C2 et qui fait des optimisations plus évoluées au JIT. Et il y a certains cas d'utilisation et certaines choses que C2 ne peut pas faire ou ne sait pas faire. Et le GraalVM Compiler, il a des perfs intéressants. Donc, il y a une version community, il y a une version enterprise de ce GraalVM Compiler. Et donc, sur certains cas, ça a des nous, on a vu sur des cas qui ne sont pas forcément favorables parce que c'était beaucoup d'IO et on, voilà, sur nos tests, on avait du 5 à 10% d'amélioration de throughput et de latence avec des profils de latence un peu différents. Mais bon, sur des cas qui sont peut-être plus gourmands en CPU et moins en IO, je pense que ça le serait encore plus favorable pour le compiler. Donc ça, rien que le compiler, selon vos cas d'utilisation de vos applications, ça peut être intéressant. Et après, il y a les Native Images qui ont un autre cas d'utilisation. Mais ça, je vous conseille d'aller voir la présentation de Sébastien qui explique bien les pour, les contre, les différents cas d'utilisation et comment ça se passe pour Spring. Et avec ça, on est tout juste bon pour la pause. Voilà. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, on va un peu vous parler de AirSocket et de pourquoi on pense que c'est important et que c'est une belle continuité par rapport à ce qu'on a fait sur les deux dernières années. On va un peu vous expliquer ce que c'est, le protocole, quels sont les avantages du protocole, quels sont les cas d'utilisation. Et puis, on aura une petite démo qui vous montre par la pratique comment est-ce que... Il faut scaler avec Option. Ah, c'est Option. Ouais, Scaling, voilà. 1980 x 1000 quelque chose. Voilà, bingo, Full HD. Ah oui, oui, ça c'est mieux. Ouais. Après ça, on retournera un petit peu sur. On reviendra un petit peu sur la conférence Spring One qui s'est passée la semaine passée, décidément deux fois, le mois passé à Austin, au Texas, et on parlera de nos sessions favorites. Donc, voilà, pour vous donner un petit avant-goût de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sujets divers et variés. Puis, on terminera avec quelques petites photos de notre voyage. C'est bien amusé. Véridique. Donc, on va vous parler un peu de AirSocket déjà. Donc, on va faire un premier segment sur le protocole pour vous expliquer un peu ce que c'est. Est-ce que vous êtes familier, est-ce que vous connaissez Webflux et Reactive dans Spring ou pas? Si vous connaissez, vous pouvez lever la main. Pas tout Reactive le monde. Streams, Publish Reactive Subscribe. Streams, peut-être. Un peu. Okay, un peu. On va expliquer okay. Un peu. Donc, Reactive Streams, c'est une spec qui existe, pas que sur la JVM, mais qui existe, qui cherche à résoudre le fameux problème du Publisher Subscriber, où on a un Publisher qui,
on voit qui produit beaucoup de choses à consommer et le consommateur qui peut pas forcément suivre. Donc, dans ces cas-là, soit on fait un modèle pool où c'est le consommateur qui dit je veux que tu me donnes tant d'éléments, soit c'est un mais du coup le producteur il doit attendre, soit c'est le producteur qui envoie et le consommateur se débrouille même s'il n'est pas capable de prendre la charge. Et donc ReactiveStream c'est une spec qui est un modèle un peu voilà, de double puisque c'est un modèle push-pull où en fait le consommateur va dire je suis capable de consommer tant de messages et donc le producteur va pouvoir en envoyer autant et après dans la spec c'est interdit d'en envoyer plus que ce qui est demandé par les consommateurs. Donc tout ça pour dire que ça résout quand même pas mal de problèmes en termes de charge, en termes dans le monde du messaging, et on va le voir dans d'autres applications aussi. Voilà, et donc ce concept que Brian a expliqué, c'est un concept de back pressure. Donc si vous entendez parler de back pressure, c'est vraiment un concept qui signifie que le client, le consommateur, dit ce qu'il est capable de gérer, et c'est celui qui publie la donnée qui doit respecter cette demande-là. Donc typiquement, ce qu'il va dire, c'est et Siri. Donc typiquement, il va dire donne-moi 3 messages. Puis il se rend compte que finalement, il n'y a pas trop de choses à faire, donc il pourrait peut-être en consommer 5. Donc il va dire, file-moi 5. Puis finalement, non, il y a trop de choses qui se passent. Pour le moment, je ne saurais plus, donc donne-moi 1. Et donc, il y a une librairie qui va implémenter ReactiveStream, qui va donc effectuer ça pour vous, pour optimiser au maximum les ressources. Donc côté Spring, qu'est-ce qu'on a depuis Spring Boot 2.0, donc ça fait déjà plus d'un an, c'est qu'on a un framework web qui s'appelle WebFlux, qui est le pendant de Spring MVC, qui implémente donc ces concepts-là et qui vous permet de déployer des applications sur Netty avec des applications écrites de manière réactive de cette manière-là, donc complètement end-to-end en réactif. Et donc, vous avez aussi toute une série d'autres composants Reactive Streams, comme par exemple les drivers de base de données qui vous permettent donc d'accéder et de récupérer les données de la même manière. Donc, vous pouvez vraiment avoir ce qu'on appelle un pipeline, c'est-à-dire vous définissez les données qui vous intéressent, la manière de les transformer, la manière de les présenter pour une requête donnée. Et derrière, il y a un mécanisme qui va s'occuper d'exécuter ces différentes tâches de la manière la plus optimale possible. Le truc pour lequel on pense que AirSocket est vraiment très intéressant, c'est que ce concept de back pressure s'arrête au process. C'est-à-dire qu'au sein de la même JVM, au sein du même process, vous avez ce concept de back pressure qui vous permet donc d'optimiser les ressources. Mais dès que vous sortez à l'extérieur, dès que vous transmettez ça à un client, cette notion est perdue. Et on va voir en quoi est-ce que AirSocket permet justement de transmettre cette back pressure et donc d'optimiser intra-process. Donc c'est un mécanisme très efficace pour échanger des données entre process. Donc, il y a un petit truc qui s'appelle les microservices, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, pour lequel ça a pas mal d'intérêt. Et donc, c'est ce qu'on décrit ici, en fait, c'est entre services. Jusque-là, si vous utilisez WebFlux, la back pressure, comme le disait Stéphane, elle s'arrête au niveau de la JVM. Après, il y a quand même un mécanisme qui s'applique, c'est les buffers TCP. Donc, quand le consommateur est plus capable de lire, celui qui envoie rempli les buffers TCP, puis au bout d'un moment, ils sont remplis et du coup, on arrête de produire. Mais ça, c'est vraiment au niveau réseau que ça se passe. Alors que là, avec AirSocket, c'est un protocole de messaging qui communique la demande ReactiveStreams, qui communique la demande à travers le réseau. Donc, ça peut être communiqué entre services. Donc ReactiveStream, donc c'est une spec qui est très bien écrite, elle est sur GitHub et elle est multilangage. Donc actuellement, il y a des librairies et des implémentations pour Java, JavaScript, C++, Go, Net, Python. Et l'implémentation Java, elle est basée sur Reactor et Reactor Netty qui est un projet produit par nos collègues chez Pivotal. C'est la brique de base WebFlux en gros. Voilà. Donc à l'origine, c'est un protocole et un projet qui a été co-créé par plusieurs acteurs du marché, dont Facebook, Netflix, Netlify et nous. Et donc on a travaillé sur le protocole, on a travaillé sur les différentes implémentations. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une fondation. Et donc il y a quelques entreprises qui nous ont rejoints, comme Alibaba et Lightband. Et on travaille tous ensemble sur les différentes implèmes et sur le protocole lui-même. Donc c'est quelque chose qui est très ouvert et que vous pouvez utiliser. Donc, dans le cadre de notre présentation ici, donc, sachez que Reactor, le côté réactif dans l'écosystème Spring et AirSocket,
et il est en train d'être déployé un peu de partout dans l'écosystème. Donc nous, on va se concentrer sur la partie Spring Framework, Spring Boot, sachant qu'il y a une partie security dont on va pas trop parler, mais voilà, il y a du support qui existe déjà dans Spring Integration. Il y a un projet à part entière qui s'appelle Spring Cloud Gateway, qui est une gateway qui sépare les air sockets et qui fait des choses super intéressantes. Hein. Typiquement, ça peut même remplacer un message broker pour pas mal de cas d'utilisation. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur les deux autres cas, Spring Boot, Spring Framework particulièrement. Donc là, vous vous demandez, c'est quoi le rapport avec HTTP, qu'est-ce qui fait de mieux? Donc là, je vous l'ai dit, hein, HTTP, la back pressure, c'est vraiment juste au niveau TCP. Ça va, on ne va pas vraiment le communiquer entre services ou même avec différents services entre nous. Mais là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus haut niveau. Et typiquement, AirSocket, c'est un protocole d'application qui est multiplexé et pour les communications en full duplex. Donc, ça veut dire qu'on peut, sur une seule connexion, envoyer et recevoir en même temps tout un tas de messages différents. Donc, contrairement à HTTP 1, ce n'est pas les messages les uns après les autres et les réponses les unes après les autres. On multiplexe vraiment les messages et c'est du full duplex. Alors, il y a aussi une différence, et vous pouvez dire, est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'on a fait avec WebSocket, le côté messaging? Dans Spring MVC, on a le support WebSocket, où vous pouvez faire des annotations at message mapping, et vous pouvez avoir du WebSocket dans votre application, avec un support du protocole Stomp. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire. Mais WebSocket, finalement, c'est vraiment une socket TCP. Il n'y a aucune fonctionnalité, il n'y a aucun protocole de messaging, donc il y a tout à faire à la main. Donc Stomp, c'est typiquement ça, c'est un protocole de messaging qui vient par-dessus. Il faut gérer les heartbeats, il faut gérer des connexions, et puis c'est assez limité quand même en termes de possibilités. Et aussi, il n'y a pas la back pressure, il y a pas mal de features qui sont manquantes. Donc là, AirSocket, c'est un peu différent dans le sens où c'est un protocole plutôt au niveau HTTP, et on peut utiliser différents transports. Donc, on peut utiliser le transport WebSocket, TCP, UDP, via Aeron, etc. Donc, on a un choix de transport qu'on peut utiliser pour véhiculer AirSocket parmi tous ces choix-là. Donc, typiquement... Entre serveurs, on utilisera typiquement TCP. Et puis, si vous devez communiquer avec un navigateur, typiquement, vous utiliserez le transport WebSocket. Quoi. Ouais, voilà. Et alors, on verra ça dans les démos. Donc, dans les démos, on va avoir donc, trois composants. Deux services qui vont dialoguer entre eux en TCP et un navigateur, donc une application web, avec donc la partie AirSocket.js qui va dialoguer en WebSocket du coup. Donc le protocole, il est assez riche et il propose quatre modèles d'interaction. Donc c'est-à-dire que c'est des patterns d'utilisation type messaging que vous pouvez utiliser dans votre application qui sont inclus dans le protocole, qui sont implémentés dans le protocole. Donc vous pouvez utiliser request response, donc c'est comme HTTP, hein, vous envoyez une requête et on vous envoie une payload en réponse. Voilà. On a request stream où pareil on envoie une requête, mais cette fois-ci on peut avoir un flux de réponses. Donc il peut en avoir une qui vient et puis ensuite rien pendant quelques secondes et puis 30 d'un coup. Donc on a vraiment un flux de réponses en retour. Un peu comme server sent event en fait. Voilà, ouais. Mais avec la back pressure par-dessus. On a request channel où là c'est du duplex en fait. On peut envoyer des requêtes et puis on peut recevoir des réponses avec des payloads dans les deux sens en permanence sur un seul stream. Et on a un fire and forget où le client envoie et ne valide pas que ça a été reçu. Donc ça coûte moins cher, c'est hyper performant et ça sert pour les cas où on n'a pas vraiment besoin de savoir si la donnée est arrivée. Donc on est en duplex, je vous le disais. Donc duplex, pour vous donner une idée, un client HTTP, quand il se connecte à un serveur, il reste le client et c'est lui qui envoie les requêtes HTTP et c'est le serveur qui répond avec les réponses HTTP. Donc en AirSocket, on a un requester et un responder. Donc le client, c'est toujours un logiciel qui va se connecter à un port et à une IP et puis qui va initier la connexion. Mais une fois que la connexion est installée,
client et serveur ne veut plus dire grand-chose. En fait, on a un requester et un responder. Le requester, c'est celui qui envoie les requêtes, et le responder, c'est celui qui répond. Et finalement, une fois qu'on est connecté avec le serveur, bah, le serveur il peut être aussi un requester. Donc, une fois qu'on a cette connexion qui est installée, le serveur peut envoyer des requêtes au client. C'est un peu bizarre, mais c'est super utile dans pas mal de cas. Au lieu de faire du polling ou ce genre de choses, on a vraiment de la communication duplex. On a le support de Reactive Streams dans le protocole. Donc ça veut dire que, quand on envoie une requête, donc ici on fait un request stream, on demande un stream de données, on peut envoyer des frames. Le protocole envoie des frames pour dire maintenant tu as le droit de m'envoyer trois éléments. Et donc on pourra avoir trois items qu'on nous envoie. Donc ça c'est au niveau protocole. Donc ça veut dire que votre requester, si vous demandez, je sais pas, 10 éléments streamés d'une application, machin, et à la fin c'est une base de données, et ben si vous avez Reactive Stream de bout en bout, vous savez que le curseur en base de données, il va pas aller lire la liste de tous les trucs, il va avancer que des éléments qui ont été demandés et pas plus. Donc on a vraiment cet effet de demande qui est propagé de nœud en nœud, et ça permet d'optimiser vachement les choses. Même dans des cas où il y a beaucoup de données, où les clients peuvent être lents, et au lieu de mobiliser beaucoup de ressources pour des clients mobiles qui peuvent être assez lents, eh ben, on optimise tout ça au niveau du protocole. Et là, on va le voir, c'est transparent au niveau du développement de l'application. Et puisque comme ça utilise Reactive Streams, du coup, ce que vous utilisez dans votre application Webflux côté serveur pour définir votre pipeline et vous laisser l'implémentation gérer au mieux les ressources, vous avez exactement le même effet côté client. Donc, côté client, vous allez également définir un flux et puis votre implémentation de Reactive Stream va optimiser de la même manière. Et donc, on a aussi le Session Stream Resumption. Donc, ça, typiquement, c'est ce qui a le plus intéressé différentes boîtes, dont Netflix et Facebook, où en fait, le cas d'utilisation typique, c'est vous avez un client qui est par exemple un terminal mobile, il est sur le Wi-Fi et votre utilisateur il va dans la rue et il passe en 3G ou en 4G. Typiquement, ce qui se passe, c'est perte de connexion. Si on était en train de streamer de données ou je ne sais quoi, c'est on coupe, on passe sur une autre connexion, on redémarre et on restream tout ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que dans le data center, on récupère toutes les données, on recalcule tout le truc. Donc pour pas mal de cas d'utilisation, c'est peut-être sauver un petit peu de ressources, mais pour des gros déploiements comme Facebook ou Netflix, ça s'est vu assez clairement dans les data centers sur le nombre de serveurs qu'ils ont pu éteindre. Donc stream et session resumption, ça veut dire que si on demande un stream qu'on nous envoie A et B et puis qu'il y a des CD qui sont pas encore arrivés, on coupe la connexion, on passe sur un autre transport. Donc, on passe de TCP à WebSocket ou de TCP à un autre TCP puisqu'on a changé de réseau. Pas de souci, on envoie un résumé. Et donc, le serveur et le client, ils gardent un identifiant pour savoir où ils en sont et on repart là où on en était. Donc, côté serveur, on ne refait pas les requêtes, on ne recalcule pas tout le truc. Et ça, encore une fois, c'est dans le protocole, donc c'est complètement transparent pour vous du coup. Et la back pressure est par stream. Donc, un stream, c'est... requête-réponse, requête-stream, ça c'est un stream. Et donc la back pressure est par stream. Donc si le client dit je veux 5 éléments, tu peux m'en donner 5 et le serveur n'a pas le droit. Mais là vous pouvez demander, mais bon, c'est bien la back pressure, mais si le client il peut envoyer 1 million de requêtes et que le serveur il n'est pas fichu de répondre à la demande, la back pressure elle ne sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'on a. On a aussi pensé à ça, puisque qu'est-ce qui se passe sur le nombre total de requêtes et de streams ? Est-ce qu'on a moyen de contrôler cette demande d'une manière ? Donc dans le protocole, il y a quelque chose qui s'appelle le leasing. Et donc le leasing, c'est une manière pour le responder de dire je suis capable de traiter 3 requêtes. Donc le requester va être obligé, via l'aspect du protocole, de ne pas pouvoir envoyer plus que ce que le serveur peut traiter. Donc, c'est un moyen aussi de faire une sorte de load balancing au niveau logiciel, quoi. On peut très bien avoir des load balancers qui s'occupent de faire ça. Donc, voilà, ça nous permet de contrôler les ressources et la demande correctement. Donc, typiquement, pour des déploiements dans le cloud entre services, c'est quelque chose qui est, je trouve, hyper séduisant parce que ça répond à pas mal de problèmes.
Donc il y a d'autres choses voilà, qui sont connues, mais qui sont hyper importantes, spécialement quand on ne l'a pas. Donc c'est tout ce qui est fragmentation, reassembly, donc ça c'est géré aussi au niveau du protocole. Et il y a les heartbeats, donc si vous utilisez WebSocket ou un autre type de protocole, bah, typiquement les connexions qui meurent parce qu'il n'y a aucun trafic dessus, etc. Donc ça c'est géré au niveau protocole aussi, on ne s'en occupe pas. Donc là on va parler un peu support Spring Boot. Ouais. Tu veux parler de l'app? Ouais, comme parce que toi tu dois. Ah non, c'est encore non. Ouais, ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser sur une app, comme je disais, avec deux services et une partie cliente. Alors d'une part, on va avoir une application qui va être capable de nous donner une liste d'aéroports, et pour chacun de ces aéroports, on va avoir une API qui va nous donner les avions qui sont proches de cet aéroport, enfin d'une liste d'aéroports qu'on va spécifier. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir un back-end qui va nous générer des données et qui va montrer en fait les avions se déplacer. D'accord. Donc on va avoir une possibilité d'envoyer fréquemment, merci, d'envoyer fréquemment ou non des mises à jour de ces déplacements, et donc on va voir les avions se promener en fait sur la carte. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a ? On va d'abord avoir une application qui va donc nous donner la liste des aéroports et les informations concernant les avions. Et cette application, donc c'est notre back-end, si vous voulez, c'est elle qui va générer les applications pour la démo. Cette application va être connectée en AirSocket TCP à une autre application. D'accord. Alors cette autre application, d'abord avant que je ne parle de ça, un petit peu les méthodes qui sont disponibles au niveau de cette application. Alors vous allez voir que dans AirSocket, on a ce qu'on appelle la notion de route. Les routes, c'est les trois informations que vous voyez ici. Donc on a une première route qui nous permet de donner les informations d'aéroports qui sont dans une box géospatiale avec latitude et longitude. On a une route qui nous permet de récupérer des informations sur base d'un code, le code d'un aéroport typiquement. Et on a une route qui va nous dire, ça m'intéresse d'avoir des informations autour de cet aéroport. Et donc là, vous voyez cette notion de flux potentiellement infini qui va nous donner des informations. Et donc les avions qui vont s'approcher ou les avions qui vont s'éloigner, on va récupérer donc des informations à ce sujet-là en temps réel. Ça, c'est l'application de droite. L'application au milieu, c'est vraiment notre application avec le dashboard et qui va finalement fournir l'interface utilisateur. Celle-là, elle a aussi une autre base de données avec les préférences utilisateurs. Et comme je le disais, elle se connecte avec AirSocket TCP, récupérer les informations. Et donc, on a une partie cliente en JavaScript qui, elle, va se connecter en AirSocket, WebSocket. Donc, vous voyez vraiment les nœuds qui sont connectés les uns aux autres avec des transports différents. Et on va voir comment est-ce qu'on peut implémenter tout ça dans Spring Boot. Alors, au niveau de cette autre application, il y a également une liste de routes. Donc, on a les deux routes du bas, c'est pour permettre de récupérer des informations au sujet d'un utilisateur. Donc, il y a une notion de sécurité dans cette application-là qui permet de récupérer des préférences. Donc, typiquement, la préférence, c'est votre aéroport préféré. Donc, du coup, lorsque vous loguez, vous arrivez sur la carte qui correspond à votre aéroport préféré. Et on a deux routes qui nous permettent donc une route qui nous permet de récupérer donc les avions autour d'une box géospatiale. Et ça appelle donc la route du back-end dont on a déjà parlé. Et puis, on a une route qui nous permet de localiser les avions autour d'une certaine zone. C'est bon ? Alors, comme d'hab, tout ça est sur GitHub, donc vous pouvez récupérer ça. Il y a donc deux applications à lancer, l'application back-end et l'application dashboard finalement. Et donc, ça va vous donner donc un serveur qui tourne sur le port 98 quelque chose, qui est le port en AirSocket TCP, et une application standard sur le port 8080 qui va vous donner l'interface. Donc, on va un peu regarder à tout ça en pratique, les différentes routes, et comment est-ce qu'on peut les implémenter avec Spring Boot. Donc, on va vous montrer un peu les différentes apps. Donc, on a une application, le fameux collecteur. Donc, le collecteur, pour vous montrer comment ça marche. Donc là, c'est une application Spring Boot 2.2. Et on utilise MongoDB,
la variante réactive de MongoDB pour stocker nos aéroports dans une base de données. Et on utilise le starter AirSocket. Donc, il y a un nouveau starter qui vous permet d'utiliser la technologie AirSocket dans Spring Boot. Et puis, on a d'autres choses, du cache, un Mongo, une memory pour rendre les choses plus faciles à faire tourner ici. Et d'autres choses. Donc, ce dont on a besoin ici, c'est de faire tourner un serveur AirSocket, mais en mode TCP. On va vous montrer ici dans le collecteur. Donc, pour faire ça, en fait, on a besoin du starter et on a besoin de ces deux properties, en fait. On a besoin de dire, donc par défaut, c'est TCP, donc on n'est pas obligé de le signifier, mais là, je le mets pour vous montrer ça. Et après, on a juste besoin de dire sur quel port on veut que notre service tourne et on va avoir un serveur AirSocket qui tourne. Donc, c'est bien un composant indépendant qui va être démarré sur ce port-là en même temps que votre application Spring Boot. Donc, vous pourriez très bien aussi avoir dans la même application du trafic HTTP sur 8080 classique. C'est quelque chose de supplémentaire ou simplement, comme dans ce cas-ci, n'avoir que la partie serveur AirSocket et uniquement ça. Donc, ce qu'on fait dans l'application, ce qu'on ne va pas forcément vous montrer, c'est qu'au démarrage de l'application, en fait, on va charger un fichier JSON avec tout un tas de données sur des aéroports et leur localisation. Et on va charger ça dans notre base de données Mongo pour pouvoir les requêter. Et ensuite, on a un service qui va générer du faux trafic aérien. Donc, on va créer des petits avions avec un numéro de vol et puis on va les faire bouger sur les coordonnées GPS. Donc ça, c'est le faux trafic, hein, parce qu'on n'est pas branché à des vrais radars, hein, je vous le confirme. Et donc, une fois qu'on a ça, après, on a un générateur. Et ce générateur, on peut lui demander, pour un aéroport donné, de nous générer une trace. Donc, une trace, c'est les positions successives d'un avion. Donc, une fois qu'on a la trace, on peut demander, mets-toi à jour maintenant, et on peut lui demander quelles sont... on peut avoir une position, et c'est la position actuelle, c'est l'information actuelle. Et donc, on voit ici qu'on a un type de retour qui s'appelle Flux. Donc, c'est un type de Project Reactor qui implémente Publishers. On a parlé de Reactive Stream avec Publisher, Subscriber. Publisher est l'émetteur de données, Subscriber, le composant qui est intéressé par la donnée. Dans le cas de Flux, c'est un type particulier qui dit que cet élément, ce Publisher, va émettre de 0 à N éléments et potentiellement un nombre d'éléments infini. À côté de ça, on va voir un peu plus tard dans la démo qu'il y a un autre type qui s'appelle Mono. Et Mono, lui, c'est un publisher aussi, mais qui est spécialisé, qui n'émet que 0 ou 1 élément. Donc, ça vous permet en fait d'indiquer une cardinalité dans vos API. Donc, vous avez un publisher de quelque chose, vous pouvez déterminer s'il va émettre 0 ou 1 élément, ou en fait, en gros, une collection, si on peut dire ça comme ça. Donc, on voit par exemple ici dans le repository, le find by code qui vous permet de récupérer un aéroport avec son code, ben, ça retourne un mono parce que le code est un identifiant unique et c'est censé retourner un aéroport ou zéro si ce code n'existe pas. Donc voilà, c'est le support Mongo réactif. Donc là, comme d'habitude avec Spring Data, on écrit juste l'interface de notre repository et l'implémentation, elle est faite pour nous. Donc y compris avec des flux et des monos et des types réactifs. Donc là, on peut demander tous les aéroports qui sont dans une geobox pour un endroit donné. Et donc ces bouts-là, on peut les demander dans notre contrôleur. Donc là, ici, on voit notre contrôleur, Radar Controller. Donc c'est un peu comme un contrôleur web et ça s'implémente vraiment comme un contrôleur web. Donc ça ne change pas vraiment de ce qu'on connaît déjà. Et c'est vraiment très proche de Webflux en fait. Donc, c'est toujours un contrôleur. On peut toujours injecter des dépendances. Donc, ici, notre repository d'aéroport et puis notre générateur de traces. Et puis après, niveau modèle de programmation, on utilise @MessageMapping. Et donc, les routes, au lieu d'utiliser des slash, parce qu'on est dans le monde du messaging, on utilise des points. Mais sinon, c'est pareil, en fait. Donc là, on trouve le radar, on demande le radar pour ce code donné. Et ce qui est dans la route ici, on peut le demander... On peut le demander comme méthode, paramètre de notre méthode avec une annotation destination variable. Et donc ici, pareil, on utilise notre repository et puis en renvoyant un mono, comme pour une appli web, il y aura la sérialisation qui va se faire et ça va être envoyé via AirSocket. Sachant que par défaut dans AirSocket, on supporte deux types de sérialisation par défaut.
On supporte JSON. Donc ça, c'est plutôt pratique pour discuter avec les browsers. Et on supporte Cibor. Donc c'est un module de JSON. Donc finalement, on met les annotations de JSON. Pour vous montrer, on met les annotations de JSON sur notre modèle. Donc ici, on a par exemple un. Non, c'est pas celui-là. Location. C'est location. Bah, j'ai même pas d'annotation en fait. Bah, parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais en gros, oui, c'est le même principe que ce que vous utiliserez JSON dans une application web classique. Voilà. Et sauf que Cibor, c'est du binaire. Donc voilà, on se dit JSON pour browser à application, c'est plutôt bien. Pour serveur à serveur, du binaire, c'est beaucoup plus efficace et c'est plus facile à parser. Donc c'est le choix qu'on a fait aussi. Donc en continuant sur notre contrôleur. Pareil, on a d'autres méthodes où choper tous les radars dans une certaine zone. Pareil, on utilise notre repository. Et là, le paramètre de méthode, c'est le body du message entrant, le body target, si vous voulez. Ouais. Et ici, pour le stream, donc là, on utilise cette fois-ci, on veut écouter. Tous les événements de position d'avion pour un aéroport donné. Donc cet aéroport, on a le code, donc on va le chercher d'abord dans notre base de données. Et puis après, une fois qu'on a cet aéroport, une fois qu'on a un mono de airport, du coup, on fait un flatmap many pour lui demander générer les traces pour cet aéroport. Et hop, ça nous donne un signal. Et donc, c'est ce qu'on veut renvoyer au client. Du coup, on va pouvoir streamer les événements de position des avions pour cet aéroport. Donc, on peut peut-être montrer un test maintenant pour vous montrer comment on teste ça. Et donc, du coup, ça se base aussi sur Project Reactor, qui est l'implémentation de Reactive Streams qu'on utilise. Donc là, on a un utilitaire assez sympa qui est Step Verifier, qui vous permet en fait de souscrire à un publisher et d'exécuter des assertions. Dans le cas, par exemple, du premier Find Radar par code, qu'est-ce qu'on fait? On va donc créer un client, on va créer un requester du coup sur un port. Donc on voit ici qu'on a un port qui est donné par qui est choisi aléatoirement pour ne pas utiliser un port fixe. Une fois qu'on a le requester, on peut donc exécuter des commandes. Et donc, la commande qu'on fait ici, c'est qu'on dit on veut aller à telle route. Donc, on donne le nom de la route et les paramètres. Et donc, on dit qu'on veut récupérer un mono d'un certain type. Ça nous donne donc le publisher, mais côté client cette fois-ci, qui correspond en fait à la requête sur cette route. Et puis, on passe ça dans le step verifier. Et une fois qu'on passe ça dans le step verifier, lui, ce que cet utilitaire de test va faire, c'est qu'il va souscrire au publisher et qu'il va vous donner la possibilité de vérifier que ce que vous allez récupérer en retour est effectivement bien ce que vous êtes censé obtenir. Donc là, on a testé juste récupérer un aéroport. Après, je vais jouer tous les tests. Mais typiquement, on a chopé tous les aéroports dans une zone donnée. Donc là, on vérifie qu'on a bien deux aéroports dans cette zone. Ouais. Et pour le cas stream, où typiquement ça peut être infini, ce qu'on fait, c'est pareil, on lui demande d'écouter les événements pour tel radar, pour tel aéroport, et on lui demande de prendre les 20 premiers et puis d'arrêter ensuite. Et une fois qu'on a tous ces événements, bah, pareil avec le step verifier, on vérifie. Bon, ici, le seul test qu'on fait, c'est on vérifie que tous les noms de vol, ils respectent le format 2 lettres et 3 chiffres. Voilà, mais donc c'est pour vous montrer comment tester ça aussi. Donc pour l'instant, on a le test avec serveur, avec un vrai serveur, mais on travaille aussi pour améliorer la couverture de test et les façons de tester RSocket dans Spring Boot. Et tout ça, je veux dire, à part les 3 lignes sur le requester, tout le reste, c'est vraiment standard pour n'importe quelle application réactive que vous seriez amené à développer. Donc, si vous développez une application Webflux, par exemple, avec des contrôleurs, rien à voir avec RSocket, typiquement, c'est exactement le même genre de code que vous seriez amené à utiliser. Donc là, je vais démarrer notre collector et puis on va aller voir du coup. Donc ce collector, on a vu comment on implémente toutes les routes dont Stéphane a parlé. Et donc là, on a notre collector qui est prêt à répondre. Donc c'est celui qui tourne sur le protocole TCP là, qu'on vient de voir. Donc maintenant, il nous faut un tracker. Donc on a une application cliente. Donc c'est une application JS qui va créer le client JavaScript et utiliser la librairie RSocket JavaScript pour communiquer avec le serveur.
Donc ça, c'est packagé avec NPM et c'est porté en tant que dépendance de Flight Tracker. Et donc le tracker, c'est notre application qui répond à des routes HTTP, des routes web, mais aussi à des routes RSocket. C'est faire les deux. Donc pareil, ici, on utilise toujours Mongo, cette fois-ci pour stocker nos utilisateurs. On a toujours le starter RSocket, mais on rajoute en plus le starter WebFlux parce qu'on veut faire du web réactif aussi. Et donc, je vais vous montrer niveau application properties, cette fois-ci. Donc, on a changé. Donc, on n'utilise plus TCP. On lui dit, j'ai besoin de WebSocket. Et on lui dit, tu maps ça sur le path slash RSocket. Donc, toutes les autres routes, elles seront normales. Ce sera du web normal. Et celle-là, ce sera pour le protocole RSocket. Donc là, du coup, on a bien un serveur avec un seul port qui va gérer le trafic HTTP et le pass RSocket qui va gérer donc du coup transport RSocket avec WebSocket du coup. Donc là, ce qu'on a, donc on est côté profile, on a récupéré nos profiles, enfin nos utilisateurs dans la base de données, etc. Donc ça, c'est pas hyper intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment on utilise comment on crée un service pour appeler, donc un composant pour appeler notre autre serveur. Donc ici, je l'ai mis en dur, hein, c'est pas génial, mais c'est une démo, on va te pardonner. Mais donc on utilise, donc on crée un requester, donc c'est notre client, et ce requester, ça va nous permettre, donc on le connecte, comme on l'a montré avant, on le connecte à ce localhost port, à cette adresse là, on demande du format sibord. Et là, pareil, donc on va fournir un service qui permet d'envoyer des requêtes aux services distants. Et vu que ça accepte des types réactifs et que ça renvoie des types réactifs, pareil, la back pressure, elle va être communiquée de notre application jusqu'à ce qui se passe de l'autre côté, même jusqu'à la base de données. Donc, on retrouve nos routes. Alors, il y a la dernière méthode qui fait du streaming là, pour une liste de radars. Voilà, donc ici, c'est plus compliqué. Donc, on veut streamer tout ce qui se passe sur l'écran de l'utilisateur. Donc, on veut choper tous les radars qu'il y a sur l'écran. Et pour une liste de radars, on veut avoir les événements sur un stream unique de tous ces radars-là. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, ici, on fait une requête par radar et on flat map tout ça dans un seul flux. Et donc, on a un flux unique des signaux qui sont pour tous ces radars-là. Et donc, cet aspect de composition va être géré automatiquement par les librairies ici. Donc, vous voyez ici qu'on vous définissez le flux, donc 10 requêtes différentes. Et donc, au fur et à mesure que les données reviennent de ces 10 requêtes, elles sont simplement mélangées, enfin, additionnées finalement dans un flux unique. Donc, ça vous donne un flux unique de tous les avions, quel que soit l'aéroport qui est affiché à l'écran. Donc, côté contrôleur, c'est à peu près pareil. On utilise notre service pour retransmettre les infos. Donc, il y a un peu plus de choses, on va vous le montrer. Mais typiquement, dans notre navigateur, on a notre app. Donc, on va charger la position de nos avions. Et on va avoir les données streamées sur nos positions. Donc, on voit bien nos petits avions avec le nom du vol. Quand on clique sur l'aéroport, on a bien l'aéroport en question. Quand on change de position, hop, ça relocalise, ça rechoppe les positions. Après, niveau, si je peux vous montrer niveau protocole, ce qui se passe, c'est niveau réseau, si je recharge la page. Au niveau réseau, vous allez voir, on a bien une requête RSocket, et là, on est par-dessus WebSocket. Donc, et si on regarde WebSocket, on a bien des messages qui sont envoyés. Et si on regarde le message, ici, une position d'un avion avec à quelle heure ça a été pris, son bearing, sa vitesse, latitude, longitude, etc. C'est ce qui nous permet de représenter ça sur la carte. Et ça, tout ça, c'est fait par-dessus WebSocket. Mais du point de vue de notre application, on ne sait pas si c'est WebSocket ou TCP ou autre chose. Ce n'est pas grave. Pour vous montrer aussi vraiment... d'autres idées de ce qui peut se passer. Ici, le petit widget un peu moche en bas à gauche, c'est la demande. Donc, le client RSocket JavaScript, c'est le nombre d'éléments qui va demander au serveur par seconde. Et donc, moi, je l'ai mis en dur comme ça ici en bas.
Donc ici, tout se passe bien, on a les positions qui se mettent à jour. Mais si je baisse la demande, par exemple, à 28, ça commence un peu à tirer la tronche. Il y a certains avions qui ne se mettent plus à jour. Si on baisse à 10, là, du coup, voilà, on n'a plus que quelques avions avec des mises à jour sporadiques. Et puis, si on baisse à 3, c'est encore pire, il n'y a plus qu'un ou deux avions. Et ça veut dire qu'on ne demande au serveur plus que certaines mises à jour. Donc ça veut dire que la back pressure, elle va être communiquée de notre navigateur jusqu'au serveur et jusqu'au back-end qui est de l'autre côté. Et donc après, si on remonte, bah bien sûr, on a le rattrapage qui se fait et on a les mises à jour qui repartent normalement pour repasser ça. Donc on a vraiment la back pressure qui arrive vraiment au niveau protocole et au niveau applicatif et ça permet de faire énormément de choses. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je regarde l'heure. On a encore 20 minutes. Bah, je pense qu'on va... Voilà, le contrôleur, je pense que c'est bon. Ah oui, pour montrer un truc rigolo, pour vous montrer le fait que le serveur peut être aussi un requester. Donc ici, on a un endpoint, un location code, où en fait, donc ici, ce n'est pas protégé, etc. Si on envoie une requête HTTP ici, le serveur, on a programmé le serveur pour qu'on récupère les coordonnées du radar qu'on nous donne en code. Et pour tous les clients qui sont connectés, parce qu'on garde une map des clients qui sont connectés dans notre contrôleur ici, qui se sont connectés au streaming d'avion. Donc pour tous les clients qui sont connectés, on va envoyer un message, donc on va envoyer une requête. Donc on va prendre un requester vraiment sur ce client-là. Et on va envoyer un message du coup à tous les browsers. Donc, je pourrais avoir 1000 tabs ouverts avec 1000 clients qui sont basés là-dessus. Si je fais si j'appelle sur localhost, et c'est quoi déjà? C'est location. Oui, tu dois le faire en post aussi. Ah oui. Donc c'est envoyé à Paris, c'est bien. Ça. Voilà, donc du coup ça a envoyé notre client sur l'aéroport Charles de Gaulle et donc là pareil sur le WebSocket on verrait un message qui vient du serveur et qui demande, donc dans mon JavaScript sur l'application JavaScript on a vraiment comme un contrôleur, comme un peu un contrôleur qu'on pourrait avoir côté serveur où on reçoit des requêtes et en fonction de la route, on map et puis on fait quelque chose sur le client pour donc ça c'est hyper utile pour éviter les pollings du côté client. Donc ça marche aussi bien entre serveurs que sur les browsers. Et puis, on peut imaginer des choses du type j'ai besoin d'aller chercher des métriques sur mes clients, il y a eu un crash ou j'ai besoin d'aller chercher des données sur mes clients. Ça, voilà, il y a pas mal de cas d'utilisation où on n'est pas obligé de demander aux clients de faire du polling en permanence sur quelque chose pour savoir s'il doit faire quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour du coup. Ouais. Et donc, l'app est dispo sur GitHub, si vous voulez jouer un peu avec. Donc, ce qu'on n'a pas montré, c'est Spring Cloud Gateway. On vous encourage, il y a une présentation qui est super bien fichue. Et il y a tout un segment, c'est une présentation aussi à l'origine à Spring One, mais il y a tout un segment où Rob Winch, qui est le lead de Spring Security, montrait comment sécuriser l'application. Et donc, on avait une application ici où pour se connecter, donc là, vous voyez, il y a le profil de notre collègue Rawson. Mais en fait, on branchait notre application web à un keycloak. Et on faisait de l'autant haute et on protégeait les ressources message mapping avec de la vraie autant Spring Security. Et on pouvait même communiquer des tokens. On pouvait même faire de l'autant par token entre notre tracker et notre collecteur. Donc on a déjà une solution de sécu qui est plutôt pas mal avancée. On reprend? Yep. Donc on va un peu parler maintenant des sessions à Spring One qu'on a vraiment bien appréciées et vous encourager si le sujet vous parle d'aller voir la vidéo. Alors, la première qui nous a bien parlé, c'est Cloud Native Build Packs. Donc, c'est une nouvelle initiative qui est pas si nouvelle que ça, mais qui vous permet en fait de créer une image
sans manipuler Docker de quelque manière que ce soit. Donc, c'est un mécanisme qui vous permet de, d'une part, d'avoir un environnement de build pour votre projet et un environnement de run pour votre projet avec une série de composants réutilisables qu'on appelle build pack. Donc, par exemple, un build pack, ça pourrait être quelque chose qui détecte que l'environnement courant, il y a un fat jar dedans. Il va l'extraire, il va bouger les jars à un certain endroit, à certains layers de votre application Docker, puis il va construire finalement la commande à exécuter pour lancer votre application. Et tous ces composants-là sont réutilisables dans ce qu'on appelle un builder. Donc un builder, c'est une série de build packs qui vont être testés sur votre environnement, qui vont matcher ou pas matcher, il y a des conditions, quoi. Et donc le résultat net pour vous, c'est que c'est quelque chose qui vous permet donc de composer une stratégie pour composer, pour créer une image pour votre application. Voilà, c'est assez intéressant, donc c'est aussi open source. Donc. Et typiquement, les questions qu'on a souvent par rapport à Spring Boot et Docker, c'est les problèmes de je dois écrire mon Dockerfile, comment je dois l'écrire, c'est quoi les meilleures pratiques pour que l'image ne soit pas trop lourde, c'est quoi la meilleure base image, qu'est-ce qui se passe quand ma base image, il y a un souci de sécu, je dois rebuilder, comment je fais, je rebuild toute mon infra. Toutes ces questions-là, en fait, c'est pas mal adressé par Buildpack. Et typiquement, le co-présenteur de notre collègue Emily, donc c'est quelqu'un qui travaille chez Heroku, et ils utilisent Buildpack, les cloud native Buildpack en interne chez eux. Et l'histoire qu'il raconte sur la présentation, hein, c'est que quand il y a eu les failles Spectre et autres sur les différents OS, eux, ils ont rebuildé leurs, je sais plus, millions ou dizaines de millions d'apps, voilà, en une nuit, quoi, ou presque, quoi. Parce que le build pack, ça, le cloud native build pack, ça vous oblige pas à rebuilder l'image Docker. Ça, vous pouvez faire une sorte de rebase. Donc en fait, l'image de base de l'OS, elle a été mise à jour. Et finalement, les couches du dessus de l'image Docker, elles n'ont pas changé, mais on n'a pas à recompiler ou rebuilder. Donc, c'est imaginez l'expérience du rebase avec SVN et celui avec Git. Ben, c'est le même genre de différence que vous pouvez espérer avec Buildpack, ou le fait de dire je rebuild, et le rebuild, il est quasiment instantané puisque là, on rebase par-dessus l'image de l'OS qui a changé, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a Pack et Kpack, donc, qui sont présentées dans cette session-là. Pack, qui est un outil à ligne de commande que vous pouvez invoquer pour justement invoquer le buildpack qui va lui-même créer l'image. Et aussi Kpack, qui est quelque chose qui est plutôt un service qui tourne et qui watch votre Artifactory lorsque vous publiez des nouvelles applications et qui met à jour les images automatiquement. Donc, voilà. Ouais, il connaît les dépendances. Donc, s'il y a une image qui doit être rebuildée, il rebuild toutes les images qui sont dépendantes. Alors celle-là, je l'ai mise et Brian. Pour référence. Ouais, mais Brian est trop C'est à la session de Brian justement qu'on a vu sur Spring Flight. Donc, si vous voulez revoir plus en détail la démo qu'on vient de faire maintenant, cette session-là, donc réexplique peut-être un peu plus en détail ce que c'est Kersocket. Il y a la démo de Brian et puis donc ça c'est Rob Winch, le lead de Spring Security, qui lui explique tous les aspects de sécurité. Comme on a vu. Voilà, donc il y a un bon 20-30 minutes aussi rien que sur la partie sécurité. Donc voilà, généralement quand on lance une nouvelle techno, on met la sécu après. Tout à la fin. À la fin. Bah là, c'était à la fin, mais c'est quand même complet. Oui, on a bien aimé aussi, donc ça c'est dans les autres présentations qu'on a bien aimé. On a bien aimé la présentation de Trisha, qui était super sympa. Moi, je trouvais assez complète, où il y avait du Spring et du Kotlin côté serveur, mais aussi côté client. Donc elle fait une app Spring Reactive Kotlin côté serveur, et il y a une appli JavaFX avec du streaming de données et tout. Donc, c'est quelque chose d'hyper complet, c'est sympa, elle explique plutôt bien. Et puis, voilà, la démo, je la trouve toujours assez fluide avec Trisha. Donc, je vous encourage aussi à la voir, celle-là, je l'ai appréciée. Et une autre aussi, je ne sais plus si tu l'as vu celle-là, mais. Non, je ne l'ai pas vu celle-là. Ouais, c'est Event-Driven Apps avec Redis. Donc, c'est le support de Redis Stream, de Redis 5 dans Spring Data. Donc, c'est notre collègue Marc qui montre les possibilités de Redis Stream, comment ça marche avec Redis, qu'est-ce qu'on peut en faire, l'activity tracking, des metrics, etc. Donc, c'est un peu comme les Kafka Streams, apparemment. Voilà. Donc, c'est du abon only. Donc, c'est la présentation aussi est plutôt bien fichue. Et puis, on voit que le support aussi, ils ont beaucoup travaillé sur le support. Donc, ça vaut le coup. Alors, il y en a encore un peu plus. Hein. On n'a pas mis des screenshots pour tout, mais donc il y a une session de Madura, notre collègue Madura qui bosse avec nous sur Spring Boot, qui parle un petit peu de comment être productif avec Spring Boot, du coup avec plein d'exemples et des démos.
Ça, c'est Sébastien Deleuze, je pense, qui nous donne un update sur le support de Kotlin dans l'écosystème Spring. Donc, vous allez avoir finalement dans cette présentation tout ce qui a été fait cette année et aussi ce qu'on prévoit de faire dans les 12 prochains mois. On a le State of Reactor, où c'est l'écosystème complet réactif dans Spring et Reactor pur, Reactor Core, tout ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont été très, très occupés cette année. Donc, ils ont pu faire un état de l'art sur tout ce qu'ils ont fait, y compris sur le tooling et le debugging, parce que quand on fait du réactif, des fois, les stack traces, elles sont un peu complexes. Alors que là, ils ont fait un gros, gros boulot d'outillage pour ça, pour rendre le debugging vachement plus sympa. Alors, on avait parlé tout à l'heure des différentes techniques de test, et notamment du slicing. Donc, ça, c'est quelque chose qui est abordé en détail avec des démos dans la session suivante. Donc, par Andy Wilkinson, qui est aussi quelqu'un qui bosse sur Spring Boot. Ouais. Et puis là, voilà, c'est une présentation pure Java par Jill Tin qui était venue pour parler de la release cadence de Java et puis des différentes nouvelles fonctionnalités dans le langage qui était aussi assez sympa. Donc ça, c'est vraiment les purs Java, sachant qu'il y en a plein d'autres qui parlent plus de méthodos de développement, qui parlent de gestion de plateforme ou de Kubernetes, de product management, etc. Donc c'est assez divers, Spring One Platform. Nous, on connaît bien Java, donc on parle de ça. Mais voilà, sachez qu'il y a plein d'autres choses qui s'y sont passées, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur le site. Et tout a été enregistré, donc vous pouvez tout regarder dès maintenant. Alors, quelques photos de notre petit Photo de voyage à voyage. Austin. Donc, c'est le Capitole. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une histoire comme quoi il avait 2 mètres de plus qu'un autre parce qu'il devait être plus grand, parce que c'était en Peut-être, Texas ouais. ou un truc comme ça? Ouais. C'est le gouvernement texan. Et donc, ils sont bien arrangés pour que le bâtiment soit un peu plus haut que, je pense, à Washington d'ailleurs. Peut-être. Ouais. Voilà. Peut-être dire une bêtise, mais en tout cas, un autre État un peu concurrent. Alors, on avait soif. Cet endroit-là est vraiment très, très intéressant. Ils ont 100. Comment est-ce que vous dites, vous, en France? On dit quoi, c'est précieux? Tireuse. Tireuse, voilà, je ne retiens jamais le nom, désolé. Donc, il y avait une centaine de tireuses avec que des bières de la région autour d'Austin. Donc, c'était vraiment local de chez local et hyper intéressant. C'était 100 d'un côté du Beer Garden et 100 de l'autre Sorte côté. d'autres. Mais on ne sait pas si c'était les mêmes ou non. Non, c'était pas les mêmes. Ah, C'était c'était pas les pas les mêmes, mêmes. d'accord, ok. Ouais. Alors, voilà, c'était très, très bien, très intéressant. Et c'est un Belge qui le dit, donc. Ouais. Pendant qu'on sirotait nos petites bières, on avait aussi droit à un petit concert assez, assez sympa. Voilà. C'est une ville qui est assez. Bon, il y a la musique de partout à Austin. Hein, donc c'est. Voilà. Des jeux vidéo à Spring One Platform, si ça vous dit de venir, on s'est bien marré. Il y a toute série de vieux jeux d'arcade assez sympas. Généralement, je mets une tannée à Brian à Street Fighter, mais il n'y avait pas Street J'ai Fighter pas cette pris année. ma fessée annuelle à Street Fighter parce qu'il n'y était pas cette année, donc ça, on verra l'année J'étais très prochaine. déçu, je dois dire d'ailleurs. Et donc ça, c'est Marc et aide-moi, David. David, merci, qui sont deux membres de l'équipe Spring qui sont là depuis très très longtemps. Donc il faut savoir que à chaque Spring One, on a le dernier jour, on a une petite soirée entre membres de l'Engineering Spring et chaque année, ils nous font un petit concert. Donc c'est super bien. Voilà, ça permet de voir les collègues qu'on voit une fois par an et puis de faire le point un peu sur plein de choses. Voilà. On a une réunion plus sérieuse aussi. Ouais. Oui, C'était un peu avant ça. oui, On a oui. la réunion sérieuse et puis là, l'amusement après. Alors, on va un peu vous parler un peu de ce qui va arriver après. Voilà. Donc, c'est forward looking. Donc, on ne vous fait pas le slide à la Oracle avec tous les machins qu'on doit Ouais. vous tuer si jamais vous pensez que c'est vrai et qu'on a liable ou je ne Mais sais faites comme quoi. si. Ouais. Donc, c'est au mieux de notre connaissance. Ah oui, donc si vous n'étiez pas au courant, Pivotal est en cours de rachat par VMware. Donc ce sera fait officiellement, normalement, d'ici la fin de l'année. Après, nous, on est juste employés, donc on n'est certainement pas au courant des dates et des détails et tout ça. Donc on risque pas de vous donner une exclue. Donc après, voilà, il y a tout un produit qui est lancé par VMware. Il y a VMworld qui est passé aux US et en Europe il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Donc après, nous, on peut vous donner notre sentiment, en tout cas dans l'équipe Spring, c'est que c'est vécu plutôt positivement, parce que de toute façon, il y avait énormément de clients qui étaient partagés entre VMware et Pivotal. On avait déjà une bonne relation, parce qu'à l'origine aussi, Spring Source avait été racheté par VMware. Hein, donc c'est Ils nous ont pas. racheté 2 fois, ils nous aiment bien, visiblement. Voilà, ouais. Et donc, de notre point de vue, nous, ce qu'on voit, c'est que VMware, ils sont hyper sérieux par rapport à Kubernetes. Ils rebasent totalement vSphere et toute leur stack sur Kubernetes. Et ils veulent fournir une expérience complète
du déploiement et de l'infra jusqu'au build. Et typiquement, à VMworld, voilà, ils ont dit, ils ont mis en évidence deux fois Spring, en gros, dans la partie build. Donc je pense que voilà, finalement, ils nous ont peut-être mis presque plus en évidence qu'à l'époque où on faisait partie de VMware. Oui, non, clairement. Donc là, pour l'instant, c'est assez positif. Vous verrez dans les mois qui suivent. Voilà, pour l'instant, c'est notre sentiment. On ne peut pas vous dire plus. Donc, Tanzu, donc, qui est une offre Build, Run, Manage, donc, qui vous donne vraiment un environnement complet. Donc, VMware était vraiment en train de travailler sa story Build. C'est là où nous, on arrive avec les outils et finalement ce que Pivotal a fait sur les 6 dernières années. Ah oui. Une petite note pour vous dire que si vous ne le savez pas encore, Spring Boot 2.1 est en fin de support à la fin du trimestre de l'année prochaine, donc aux environs du mois de mars. On est donc pour le moment en rappel à Spring Boot 2.2.1 qui est sorti la semaine passée, je pense. Donc là, on est vraiment en train de travailler sur la maintenance de 2.2.2. Donc corriger tous les problèmes que vous nous avez remontés, merci beaucoup. Et puis commencer le travail sur Spring Boot 2.3. Donc on a vraiment cette technique que lorsqu'on passe à une nouvelle feature release, on vous laisse le temps d'upgrader et puis alors on bascule cette version-là en Endoflex. Mais en même temps, jusque-là, on était coincé un peu aussi puisqu'on est coincé entre des utilisateurs et des développeurs de Spring qui n'ont pas forcément le temps d'upgrader aussi vite que nous. Donc pour ça, on essaie d'avoir des guides de migration hyper détaillés pour vous dire exactement quand vous passez de telle version à telle version, voici ce qu'il faut changer, voici, voilà, et on les améliore en permanence. Donc on essaie d'être hyper vigilant par rapport aux changements qu'on peut faire d'une version à l'autre. Et en même temps, il y a une autre catégorie de développeurs Spring qui nous disent « Oui, mais ma librairie, elle a changé 15 fois de version. » Et nous, on ne peut pas se permettre de faire un gros upgrade sur une dépendance. Sachant que ça pourrait casser les développeurs qui nous font confiance, qui se disent je fais un upgrade de maintenance, rien ne va se passer, juste des bug fixes. Donc on est un peu coincé entre ces deux mondes et finalement on cherche à s'adapter. Donc du coup, ce qu'on va tester, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer à une cadence de release de 6 mois. Donc avec Spring Boot 2.3 qui est prévu aux alentours du mois d'avril et un Spring Boot 2.4 qui est prévu aux alentours du mois d'octobre. Donc l'idée derrière ça, c'est que ça va nous permettre d'itérer plus rapidement sur des plus petites fonctionnalités, mais surtout de vous fournir du dependency management qui est plus en phase avec ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Donc on vous a parlé de la gestion des dépendances un peu plus tôt, on vous a dit qu'on avait une politique d'upgrade très stricte pour lequel on ne commence pas à faire des cas d'exception ou quoi que ce soit. Lorsqu'on est en maintenance, on upgrade en maintenance et c'est tout. Donc, on ne commence pas à prendre une dépendance tierce et passer à une nouvelle feature release. On ne fait pas ça. Et donc, ça pose les problèmes que Brian expliquait. Donc, ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de tester ce mode, voir un petit peu comment ça marche, voir comment la communauté réagit. Un autre acteur qui a beaucoup participé dans cette décision, c'est Spring Data. Lui doit absolument upgrader une série de drivers, notamment Cassandra, si je me souviens bien, ils vont passer à Cassandra 4. Et là, c'est des changements de drivers avec des changements importants, ils ne peuvent pas faire ça en plein milieu d'une service release. Donc, ils sont obligés de faire une nouvelle version pour leur release train. Et quelque chose doit consommer ce release train. Donc, s'ils font une version de Spring Data que Spring Boot n'embarque pas, en gros, l'utilisation dans l'écosystème va être assez faible. Donc, on veut supporter nos collègues de Spring Data et donc essayer cette cadence de release de 6 mois. Mais concrètement, on ne va pas produire deux fois plus de fonctionnalités. Hein. On ne s'est pas multiplié. Ça va être des feature release plus rapides encore, avec un scope plus réduit. Voilà. Donc. Voilà, ouais. Ah, et on a déjà parlé tout à l'heure aussi, un gros focus, c'est GraalVM cette année. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Framework, lui, par contre, n'a pas rejoint cette initiative et reste plus dans la stabilité. Donc, Framework va continuer son cycle de release tel que vous le connaissez aujourd'hui, ce qui signifie qu'actuellement, Spring Boot 2.2 est basé sur Spring Framework 5.2 et Spring Boot 2.3 sera aussi basé sur Spring Framework 5.2. Donc, il y a une deuxième release, on va dire un peu plus, deuxième feature release pour Spring Boot pour la même génération du Framework. Voilà. Et donc, le sujet GraalVM, c'est un sujet qui touche... Donc, notre but, c'est vraiment de faire que l'infra de base de framework supporte complètement Graal pour que derrière, tous les projets Spring Data, tous les projets du portfolio qui utilisent cette infra, du coup,
et plus ou moins gratuitement le support Graal. Et pareil, continuer l'initiative dans tous les projets. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en interne. Et puis, c'est quelque chose, c'est un travail qu'on fait aussi avec l'équipe Graal. D'ailleurs, on a une réunion bientôt avec eux dans une ou deux semaines. Donc, voilà. Donc, on y travaille. On sait que c'est quelque chose qui est important pour la communauté. Donc, on a bien entendu le message. Si jamais vous voulez nous rejoindre à Spring One Platform l'année prochaine, donc c'est à Seattle, dernière semaine de septembre. Voilà. Et sinon, plus près, et aussi une conférence qu'on vous recommande vivement si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'écosystème Spring, c'est Spring.io à Barcelone. Donc cette conférence, elle est moins diverse dans le sens où il y a moins de sujets, il y a moins de sujets plateforme, méthodologie, etc. On est beaucoup plus sur Spring, Java, communautaire. Donc, elle est pas brandée pivotale. Hein. C'est une conférence qui est communautaire. Donc, on la sponsorise, mais il y a un comité de sélection qui est totalement indépendant de notre boîte. C'est plutôt une chouette conférence. L'année dernière, où il y avait plus de 1000 personnes. C'est à Barcelone. Donc, c'est super accessible depuis Paris et puis les grandes villes de France. Et puis, bon, Barcelone en mai, quoi. Barcelone en mai, c'est pas mal. Barcelone en mai. Et puis l'atmosphère est super détendue. Et puis voilà, c'est généralement en fait parce que c'est une conférence qui est aussi un peu moins corporate et très sympathique. C'est là où généralement l'équipe Spring on teste un peu des choses, où on présente les milestones, les premières fonctionnalités. Donc voilà, on a un peu synchronisé notre calendrier de release aussi là-dessus. Hein. Avril, juste avant Spring.io, on fait les premières choses. Et puis après, avant Spring One, on a un autre cycle de release. Donc voilà, ça nous permet de bosser, juste avant de taguer vraiment les GA, ça nous permet de rencontrer la communauté et de prendre les retours. Parce que si on arrive en conférence et que la GA est déjà là, c'est... Merci, tous vos feedbacks ne servent à rien, c'est déjà release, ça ne sert à rien. Donc, on essaie de synchroniser là-dessus pour récupérer un max de feedback. Et avec ça, on a fini. On a fini et il nous reste...